Salut, salut, salut les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Partagez ce direct, extrêmement important. Extrêmement important. Partagez ce direct. Partagez-le partout. Partagez-le. Bonjour Chris, bonjour Régine, bonjour Isadora, bonjour Anna, bonjour Mimi, bonjour femme, lève-toi et brille. Partagez ce direct au maximum. Je veux le maximum de personnes avant de commencer. D'accord? S'il n'y a pas le maximum de personnes, je ne commence pas. Souvent, on vous dit partagez des vidéos. Vous êtes en direct, mais vous ne partagez pas en fait. D'accord? Partagez ça au maximum. Faites du bien à quelqu'un aujourd'hui parce que ça va être important. Partagez, 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 partagez le direct. Je veux arriver à 200 personnes en ligne. Partagez ce direct. Sinon, je ne continue pas. D'accord? C'est important. J'ai remarqué quand on vous dit de partager, vous ne partagez pas. Pourtant, ça peut aider quelqu'un. Partagez ce direct. Partagez ce direct, partagez, tu es là, tu regardes, partage dans tes groupes, partage dans tes plateformes, partage, 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 partage. Cette vidéo va aider beaucoup de gens, cette vidéo va ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Extrêmement important, ok? Partagez, 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 partagez. Très bien, je me sens très bien. Partagez ce direct. Partagez, 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 partagez ce direct. Sinon, je n'avance pas. Hein. D'accord? Ce sont des gens sérieux. Souvent, je vous dis partagez, vous êtes là, vous ne partagez pas. Après, quand on regarde les stats, bah, la vidéo n'est pas allée très loin. Quoi. Faites du bien. Vous avez déjà eu à avoir de bons contenus ici. Faites-en profiter à d'autres personnes. Faites profiter à d'autres personnes des contenus. OK? Partagez ce direct. Partager, 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 partager. Ok, très bien. Bah, écoutez. Ok, très bien. Bon, on va commencer. We're going to start now. Dites-moi si le son est de qualité, s'il vous plaît. Dites-moi si le son est de bonne qualité. OK? Voilà. Voilà, faire revenir sa femme.
Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que la thématique sur les relations revient tout le temps, ça revient souvent. Et voilà, la thématique sur les relations, un instant, je regarde encore parce que vous avez dit que le son est bon, alors que ce n'est que le son de. Voilà, c'est bon, c'est le son de mon micro. OK? Voilà, je reviens sur cette thématique-là. Vous qui me suivez depuis, vous savez que je parle souvent de ça, mais pas tout le temps. OK? La question du sexe est extrêmement importante, d'accord? Je me suis rendu compte que c'est là que beaucoup de destinées échouent, d'accord? Beaucoup de destinées sont écrasées à cause de la simple question du sexe, ok? Le sexe, c'est une très bonne chose. Dieu a prévu la sexualité pour que l'homme prenne du plaisir sur la terre, pour que l'homme, comment on dit ça, qui passe du bon temps avec sa femme, d'accord? L'acte sexuel, c'est un acte qui est hautement spirituel, ok? Certaines personnes vont vous dire, même que certains mariés vont vous dire que pendant qu'ils faisaient l'amour, en fait, ils entendaient le son des anges, en fait, des anges qui chantaient, ils s'entendaient. Voilà, moi, par exemple, quand je me suis marié, c'est une expérience que j'ai vécue, ça m'a un peu gêné parce que j'étais ignorant, je ne savais pas que c'était aussi spirituel. Je voyais des choses, en fait, je ressentais des choses, il y avait une atmosphère. Et ça a continué plus tard dans le mariage, voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu approuve, d'accord? C'est un moment spécial. Je ne vais pas entrer en profondeur dans la symbolique du sexe dans le mariage, mais il faut savoir que si vous n'êtes pas marié et que vous touchez, vous pratiquez l'acte sexuel, il y a aussi l'autre versant de la chose. En fait, il y a aussi, vous êtes aussi de l'autre côté, d'accord? C'est extrêmement important ce que je dis. Le sexe attache les gens, le sexe détruit les destinées. Le sexe vous fait vous connecter à des gens avec qui vous n'auriez jamais dû être connecté. Le sexe n'est jamais anodin, ce n'est jamais au hasard. À la télévision, j'étais invité à la télévision togolaise et sur le plateau de Océane Kodia, la présentatrice, j'expliquais en fait la puissance en fait du sexe. Je disais par exemple que lorsqu'un homme va dans une fête, d'accord, il est beau gosse, là, il s'habille bien, il rencontre une jolie fille qui lui plaît. Ils se font des yeux, voilà, ils décident d'aller avoir un rapport sexuel avec quelqu'un quelque part aux toilettes, ne sais pas, comme les gens font souvent. Il sort de là, la femme sort de là avec lui, ni vu ni connu, personne n'a su, d'accord? Hein? La Bible dit que la Bible parle de la femme qui mange, de celui qui mange, il s'essuie la bouche, d'accord? Il mange et il s'essuie la bouche, personne n'a vu, d'accord? Ça se passe comme ça, les gens, donc ils font ces choses et ils essuient la bouche, personne n'a vu, sauf que non, il y a des gens qui ont vu en fait. D'accord? Il y a des gens qui ont vu. Il y a une réalité qui a vu. Il y a une dimension qui a vu. D'accord? Dans les petits trucs que vous faites souvent, que les gens font souvent, peut-être dans les petites toilettes, dans les trucs, dans les lycées, les petits trucs que les gens font ensemble, dans les chambres, les partouts, tous ces machins-là en fait. Ça reste entre vous, personne ne dit, mais dans le monde spirituel, en fait, c'est vu et ça a un impact sur vos vies, en fait. D'accord? J'insiste beaucoup dessus. J'insiste beaucoup dessus. Parce que j'ai vu des dégâts. J'ai vu des dégâts des gens, sur les gens que je ne connaissais pas. J'ai vu des dégâts sur les gens que je connais et que j'ai été obligé, malgré moi, dont j'ai été obligé de m'occuper. D'accord? Et quand tu es obligé de t'occuper d'une personne qui n'a pas écouté, d'accord, qui n'a pas reçu des conseils, qui les a reçus et qui les a méprisés. Quand tu vois le prix à payer, quand tu vois maintenant que c'est sur toi que ça repose cette responsabilité de l'aider, ça fait encore plus mal en fait. Et ça te donne envie de limiter les dégâts. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est subtil en fait, d'accord? C'est subtil. Je ne vais pas nommer les gens, je nomme pas les gens souvent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des grandes audiences et qui peuvent distiller des pensées erronées, d'accord, des pensées mortelles sur la question de la sexualité. Le sexe est galvaudé, c'est-à-dire que le sexe est comment on dit ça, est dénué, on lui retire sa substance, son honneur, d'accord. Le sexe, c'est quelque chose, un acte honorable, en fait. Mais aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs, de coachs, de gens que vous suivez, enlèvent au sexe sa dimension noble, en fait, sa dimension royale, oui. Il y a cette dimension en fait. Oui, il y a une dimension noble de la sexualité. Il y a des gens qui enlèvent cela. Et ça crée quoi? Ça crée une génération de gens qui sont perdus dans tous les sens. OK? D'accord? Merci beaucoup, Solange.
Lorsque le but d'une chose est ignoré, l'abus est inévitable. D'accord? J'ai compris avec le temps dans les médias que ça ne servait à rien de jouer les offusqués sur Internet. Ça ne sert à rien de crier que oui, pourquoi on lui donne l'espace, pourquoi on lui donne l'audience pour qu'elle parle de ça, pourquoi telle a parlé de ça, pourquoi les femmes se déshabillent. Ça ne sert à rien de crier. Ce que vous devez faire à votre niveau, c'est que vous devez utiliser vos plateformes pour parler. D'accord? Aujourd'hui, j'ai une grande plateforme, je suis très suivi par la grâce de Dieu. Donc, je peux me lever et peut-être pas prétendre à toucher tout le monde, mais toucher quelques personnes parce que je connais le pouvoir de la sexualité. D'accord? Lorsqu'on vous amène, attention, lorsqu'une personne vous amène à banaliser la question du sexe, une personne qui vous amène à banaliser la question du sexe est en train de ralentir votre destinée, est en train de retrancher même des années de votre vie. Oui, retrancher, je vais vous expliquer ça ici-là. On retranche les années de votre vie, en fait. Oui. On retranche les années de votre vie. Cette histoire de sexualité. Vous comprenez ça, hein? Voilà, merci Solan. Donc, je me dois de me lever pour vous expliquer des choses sur la sexualité. J'ai regardé l'autre jour un documentaire, c'est l'émission Top Show américain. C'est un couple, je crois, de juifs qui faisaient une vidéo réaction sur une situation qui s'est passée aux États-Unis. En fait, c'est une femme. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée. Elle est mariée à un homme. Ils ont la vie parfaite, d'accord? Ils ont de l'argent, ils ont une famille, d'accord? Ils ont des enfants, ils ont une belle vie, le rêve américain. Alors, à un moment donné, la femme, d'accord, décide de se. Elle trouve que la vie de couple, c'est devenu un peu trop. C'est devenu ennuyeux, en fait, c'est devenu un peu boring. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide tout simplement de proposer à son mari, on appelle ça en anglais, un open relationship, une relation ouverte, un mariage ouvert, en fait. D'accord? Elle insiste. Le gars, au début, il est très réticent, mais quoi qu'il veut sauver son foyer, qu'est-ce que tu vas faire quand tu as ta femme qui te commence à te titiller pour que vous ayez une relation ouverte? Généralement, les hommes qui vivent ça ne peuvent pas s'opposer parce que souvent, lorsqu'elles te proposent ça, c'est qu'elles ont déjà commencé à voir ailleurs ou alors elles ont déjà commencé à planifier des choses, en fait. Donc, l'homme va accepter. Il accepte donc, la femme se retrouve en train de sortir avec plein d'hommes, lui aussi se retrouve en train de sortir avec plein d'hommes. Mais elle explique en fait dans l'interview que à partir du moment où ils ont fait ça, elle a senti quelque chose qui était, voilà, c'était bizarre, d'accord? Elle a pris du plaisir avec ses nouveaux prétendants, lui a demandé combien de prétendants elle a eu. Elle a dit qu'elle a eu environ 12. Et après, bien sûr, c'est sûr qu'elle a, vous divisez par, bon, je me tais. Voilà. Et on lui a demandé, mais avant Thomas, avant, pour qu'est-ce qui t'a poussé à proposer cela en fait? Est-ce qu'avec ton mari, ça n'était pas bien sexuellement? Elle dit, c'était trop bien, mais c'était trop bien. Pourquoi tu es parti dehors en fait? D'accord? Maintenant, long story short, pour faire court, c'est que le mari, à un moment donné aussi, il est déçu, mais il est obligé parce que bon, il faut sauver les apparences. Alors, il se lance, il rencontre aussi une fille, sauf que lui, c'est un gars. Il n'aime pas multiplier les relations. Donc, il se lance, il trouve, rencontre une fille et il tombe amoureux de la fille. Voilà maintenant que la femme s'amuse avec plusieurs hommes. Après, elle se rend compte que l'homme, son mari, est attaché à quelqu'un. Elle dit que ça l'a choqué de savoir que son mari était attaché. Attaché. Écoutez bien, attaché. Dis, écris avec moi, attaché à quelqu'un. Ça l'a choqué alors qu'elle avait promis. Il s'était entendu, soi-disant, pour avoir une relation ouverte. On s'attache pas, on couche, on revient, on couche deux, on revient, on s'attache pas, on s'attache pas. Ça l'a choqué de savoir que son mari passait du temps au téléphone avec une dame. La dame demandait des nouvelles. Il s'est rendu compte que c'était une jeune fille, d'accord? Il s'est rendu compte que son mari avait une relation suivie. C'était plus les amusements, c'était vraiment quelque chose de sérieux, d'accord? L'homme s'était attaché, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mariage s'est détruit. Et aujourd'hui, on lui demande comment est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle est mariée, parce qu'ils ont divorcé. Elle dit qu'elle n'est pas mariée, elle vit avec un des hommes avec qui elle a commencé son mariage ouvert là. Le gars ne l'a pas épousée, certainement il ne l'épousera pas. Mais son mari s'est remarié et il est heureux en fait. Elle dit que ça lui fait tellement mal en fait. D'accord? Merci beaucoup, Kodarsé. Je vous dis, hein, c'est extrêmement grave. C'est comme s'il y a un plan diabolique là, c'est subtil. C'est subtil en fait. D'accord?
Elle ne s'attendait pas à ce que son mari, elle s'attendait à ce que son mari joue un peu comme elle veut jouer. Parce qu'arrivé à un âge, en fait, elle n'a pas su gérer ses émotions et ses pulsions. D'où vient-il que tu as une famille stable, en fait? Tu détruis ça juste à cause du sexe. D'accord? Mais son mari est parti s'attacher. S'attacher. D'accord? Je suis en train de parler des liens d'âme. J'ai voulu changer mon titre, mais en fait, je ne vous parle des liens d'âme aujourd'hui. D'accord? Je vais vous lire un passage biblique qui va vous montrer la puissance du sexe. La puissance du sexe. D'accord? La Bible dit dans le livre de Genèse, pardon, quelqu'un note ça, Genèse 34, à partir du verset 1. Notez ça, vous allez lire après. Genèse 34, verset 1. Lisez bien. Genèse 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque le sexe n'est pas pratiqué dans le cadre du mariage, il y a un déshonneur qui s'installe. Le sexe dans le mariage est honorable. Quand c'est hors du mariage, c'est déshonorable, en fait. Donc, c'est déjà une malédiction qui tombe, d'accord? Donc, il enlève la fille, couche avec elle. Donc, en fait, pour faire court, il l'a violée, en fait, d'accord? Parce qu'il n'y a pas le consentement de la fille. Maintenant, qu'est-ce qui suit le verset 3? Le verset 3, ça dit quoi? Il enleva, couchait avec elle, la déshonora. Mais quel est le verset qui suit? Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. OK? Vous voyez ça? Voici un gars qui vient pour violer, excusez-moi l'expression, d'accord? Franchement, je vous ai dit, si vous ne partagez pas ce direct, c'est que vous faites partie des gens qui sont en train de détruire cette génération. Je le dis avec courage, je me positionne là. Là, c'est l'apôtre qui vous parle, en fait. Si vous ne partagez pas ce direct, c'est que vous faites partie du problème. Vous faites partie du problème. D'accord? Partagez ce direct au maximum. Oui, quand c'est les autres, les coachs, les influenceurs, vous êtes là à 25 000 présences en ligne. Nous, on ne cherche pas la célébrité. Mais partage, en fait. Parce que cette vidéo, ça peut aider ton frère, ta soeur. Peut-être tu as une petite soeur qui est en train de grandir. Il faut qu'elle écoute ça. Peut-être tu as une copine qui est dans les filets, en fait, de quelqu'un à cause du sexe. Partage cette vidéo si tu es sérieux. D'accord? Voilà. Il dit quoi? Son cœur s'attacha. Comment tu peux t'attacher à une personne que tu es partie violer, en fait? En général, lorsqu'un homme viole une femme, en fait, c'est il lui fait du mal, donc il ne l'aime pas. Mais comment se fait-il que juste après avoir couché avec elle, il l'aima? C'est un peu comme si quelque chose entrait en lui, en fait. C'est-à-dire qu'il la voit, il essaie de la violenter, il essaie de la brutaliser. Dès qu'il rentre en elle, quelque chose se passe à l'intérieur de lui. Il change, en fait. Comme si un esprit entre en lui, en fait. Comme si quelque chose entre en lui, en fait. Et la Bible dit, il aima la jeune fille. Et avant ça, il s'attacha. Il s'attacha. Il s'attacha. Il s'attacha. Vous comprenez? Sachez qu'il n'y a aucun rapport sexuel qui est anodin. Je vois de plus en plus de femmes qui se comparent même aux hommes. D'accord? L'homme, quand il a un rapport sexuel, il va s'attacher. D'accord? Mais ce n'est pas comme quand la femme s'attache. Je vous ai dit dans mon livre comment les hommes pensent en amour. L'homme s'attache par polarité. Polarité, en deux pôles, d'accord? L'homme crée des relations en polarité, deux pôles. Vas-y, ça, deux poteaux, deux pôles. Il s'attache, il se détache, d'accord? Il s'attache, il se détache. Gloria, pardon, donne-moi mon livre bleu là, mon livre dans le carton, au couloir. L'homme s'attache et il se détache. Ça, c'est la psychologie humaine pure. C'est pour ça que vous allez voir un homme, il sort avec une fille, à un moment donné, bah, il peut l'oublier. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe. Il s'attache, se détache. Oh, la femme, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme s'attache, elle a du mal à se détacher. Elle a du mal à se détacher, en fait. D'accord? Elle a du mal à se détacher. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu a prévu que le sexe se passe entre un homme et une femme qui sont mariés, d'accord? Et il a prévu que pendant qu'ils copulent ensemble, ils s'attachent et se partagent des choses à plusieurs niveaux, des fluides, sur le plan spirituel. Ils se partagent tout, en fait. C'est pour ça que
Un homme peut grandir dans la foi, grandir dans une certaine, dans une certaine attitude de leader, et parce qu'il a des rapports sexuels avec sa femme, il se connaît, en fait. La femme tend à devenir comme lui, en fait. Okay? Pareil, il y a des hommes qui n'aimaient pas le commérage. Ils n'aimaient pas du tout le commérage. Ils sont mariés avec une femme qui aime beaucoup le commérage. Et parce qu'ils ont des rapports sexuels ensemble, tu vois que le gars aussi commence à faire beaucoup de commérage. Vous comprenez ça? Ce n'est jamais anodin. Allez sur Internet, regardez les témoignages des anciennes stars du X. Elles te disent que elles sont extrêmement dépressives. Elles ne dorment pas. Elles entendent des voix. Certaines sont obligées de se droguer, en fait. D'accord? Parce que tellement d'hommes qu'elles ont rencontrés, ça crée des liens en elles, une confusion totale, en fait. D'accord? Merci, Johanna. Oui, le livre parle de ça. Ce livre parle de ça. Et donc, en fait, j'insiste dessus. Dieu a prévu ce qu'on appelle les liens d'âme. Les liens de l'âme. Dieu a prévu qu'une âme s'attache à une autre. Mais il y a des cadres légaux. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les liens d'âme positifs. Il y a ce qu'on appelle les liens d'âme malsains. Il y a des liens d'âme sains et les malsains. Malheureusement, dans cette génération, les gens sont en train de former tous les jours des liens d'âme malsains. Donc, quand quelqu'un vous dit que oui, c'est normal de coucher, bah, écoute, est-ce qu'il a l'argent, machin, truc, vous vous lancez dans des choses. Oh mon Dieu. C'est compliqué. D'accord? C'est quoi l'exemple d'un lien d'âme qui est sain? Le lien d'âme qui est sain, c'est le lien entre un homme et sa femme qui sont mariés. Ça, c'est sain. D'accord? Hein? La Bible dit quoi? C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. OK? Une seule chair. Pourquoi la chair, une seule chair? Comment ça s'explique? Vous n'avez pas remarqué que parfois, hein, un homme te drague, toi tu es une femme, un homme te drague, tu ne veux pas de lui. Il te drague, tu ne veux pas de lui. Il insiste, tu ne veux pas de lui. Il s'arrête un peu, il finit par t'avoir à l'usine, il utilise plusieurs stratégies. Le jour où il arrive à coucher avec toi, ce n'est plus lui qui te suit, maintenant c'est toi qui le suis. Comment expliquez-vous ça? Vous allez voir que dans certaines situations, vous allez voir dans certaines situations, un couple, par exemple, est ensemble, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce mec? Qu'est-ce qu'elle fait avec ce mec, en fait? Tu sens qu'ils n'ont rien à faire ensemble, en fait. C'est-à-dire que même les lois de la physique naturelle, c'est-à-dire c'est bizarre. Même les milieux ne sont pas du même milieu, en fait. C'est-à-dire elle est en train de se mettre sa famille à dos à cause d'un gars, et tout le monde voit que c'est un mauvais gars, mais elle, tu vois. Parfois, c'est quelqu'un de bizarre, un toxicomane, un brutal. Elle s'accroche à lui. Tu vois, parfois, c'est une fille d'une famille, d'un certain rang, en fait, social. Elle va sortir avec un gars, c'est compliqué dans sa vie, il n'a aucun projet, c'est un gars bizarre, c'est un bandit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le rapport sexuel. Hein? Le rapport sexuel, en fait. Le rapport sexuel a été prévu, je répète, pour le cadre du mariage. Je ne suis pas venu pour juger les gens. Je suis pas venu pour juger les gens. Je me rends compte que ça ne va pas sur Internet. C'est grave. Et on ne peut pas être leader. On a les plateformes. On est suivi par beaucoup de personnes. On n'en parle pas, en fait. J'utilise ma petite force que j'ai pour toucher les gens. D'accord? Et je vous assure, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une thématique en 2016, 2015, 2016 sur les liens d'âme. Mon blog a été partagé jusqu'aux États-Unis. Traduit même en anglais, partagé partout. Il y avait au moins les 10 000 personnes qui likaient, en fait. La vidéo sur les liens d'âme sur ma chaîne YouTube, ça part. Les gens regardent. C'était un problème qui est mondial. D'accord? C'est un problème qui est mondial. Maintenant, je continue toujours dans la lancée sur les liens d'âme. Il y a le lien d'âme maintenant entre un père et sa fille. C'est un lien d'âme, c'est-à-dire que son âme s'attache à son enfant. Un père et sa fille, une mère et son fils, une mère et son fils, une mère et sa fille, une fille et sa mère. D'accord? Parents-enfants, ça se forme. Il y a aussi des liens d'âme entre un mentor et son mentoré, c'est-à-dire que un leader qui aime d'un amour sain un élève et qui veut le voir réussir, en fait, d'accord? Il devient son pygmalion. Et aussi les liens d'âme entre deux amis, d'accord? Jonathan, Emma, David, c'est-à-dire que
Tu peux avoir un pote à toi, c'est vraiment un pote à qui tu peux te confier, tu peux échanger, vous pouvez parler des choses sérieuses, il connaît ta famille, il a grandi avec toi. Ça, c'est vraiment les liens d'âme qui sont positifs. Mais les liens d'âme négatifs, là, c'est cette histoire de rapport sexuel hors mariage. Faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, on est libre, d'accord? Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais sachez que à la fin, chacun va payer. Je ne suis pas là venu pour juger. D'accord? Moi, ça me fait mal parce que je m'occupe même financièrement de certains mères célibataires. Maintenant, j'ai envie de dire un truc tout à l'heure à laquelle j'ai pensé. Une chose. Vous savez, lorsqu'une femme a eu beaucoup de partenaires, elle arrive difficilement, en anglais on dit pair bond, elle arrive difficilement à se connecter à une seule personne. Je vous assure, on coach les gens, on parle avec des gens en privé. D'accord? Ah, coach, je n'arrive pas à oublier mon nez, je n'arrive pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être possédé. Non. Ce n'est pas la possession, c'est les liens d'âme. D'accord? C'est-à-dire que vous allez voir que quand un téléphone, par exemple, mon téléphone, quand elle arrive chez moi, ici, dès que j'arrive au niveau du couloir, d'accord, devant la porte, bah, mon téléphone se connecte déjà au réseau. Pareil au Cameroun, quand je suis devant mon portail, mon téléphone se connecte déjà au réseau de la maison. D'accord? Se connecte automatiquement. Si mon téléphone était off, si la connexion était off, dès que je suis devant mon portail, je sors de la voiture, je suis devant le portail, je vois comment je commence à avoir des notifications. Parce que il y a, entre mon téléphone et la connexion Internet, un rapport régulier, en fait. Ils sont connectés ensemble. D'accord? Et vous allez voir que souvent, quand une personne a des multiples relations comme ça, multiples relations, tu es sur plusieurs réseaux, parfois tu as du mal à capter le signal en fait du réseau sur lequel tu es d'habitude, ou alors où tu es censé être. C'est pour ça que vous allez voir il y a des gens qui, ça concerne aussi les hommes, je suis en train de parler, vous allez voir des gens qui n'arrivent pas à former des relations solides. C'est-à-dire ils ont entraîné leur cerveau, non, à toujours être dans les relations, toujours être dans les relations. Ce n'est pas facile après. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Il y a ce qu'on appelle dans le cerveau la zone de récompense. Je ne sais pas, Joseph, dis-moi un peu ce que c'est. La zone de récompense. C'est-à-dire que plus tu as des rapports sexuels, plus tu apprécies ça, plus tu veux encore en avoir. Le cerveau te redemande ça parce que le rapport sexuel sécrète, je crois, c'est l'endorphine, non, l'hormone du bonheur. Là, quand tu as un rapport sexuel, il y a une sensation de bonheur, de plénitude après là. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau veut cette sensation après. Alors, tu te retrouves en train de vouloir chercher ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des femmes même et des hommes qui n'arrivent pas à rester dans leur foyer. N'arrivent pas. N'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils veulent faire comme ils veulent. Car c'est sûr. Aujourd'hui, TikTok est venu exposer tout. C'est sur TikTok que les gars se lèvent, les gars t'expliquent les vérités. Les filles même se lèvent pour trahir leur copine, en fait. La dopamine, l'hormone, voilà. En fait, voilà, hormone du plaisir et l'endorphine, l'hormone du bonheur. Vous voyez, en fait, hein, en fait, tu as beau dire que tu seras sérieux, d'accord? Moi, j'étais photographe de mariage, donc j'ai parcouru les mairies, tout ça. Mon frère, je voyais seulement les gens faire des vœux, je riais seulement dans mon cœur. Je dis, ah, je ris seulement en fait. Parce que les gens ne croient même pas en ce qu'ils disent, ou alors ils pensent qu'ils vont pouvoir rester fidèles. Mais après, ça les dépasse. Ne vous habituez pas, en fait, comment on dit ça? Je vais aller droit au but. Ayez une vie de chasteté jusqu'à ce que vous vous mariez. Ah non, tu racontes n'importe quoi. Ok, je raconte n'importe quoi. Ça, c'est ce que je te recommande. Tu n'es pas obligé de me suivre. D'accord? Deuxième chose, est-ce que vous savez que, je veux parler des mères célibataires, c'est un sujet qui fâche. Lorsque tu parles de ça, on te tape dessus. J'ai des élèves même qui m'ont quitté, qui sont éloignés de moi, qui ont commencé à me snober. Parce que j'ai parlé de ça. Parce que j'ai dit, voilà. Écoutez. Une des raisons pour laquelle les hommes ne veulent pas se mettre avec certaines mères célibataires, c'est quoi? Je ne dis pas toutes. Hein. L'une des raisons pour lesquelles, je prends le risque de dire ce que je dis. L'une des raisons pour lesquelles les hommes ne veulent pas se mettre avec les mères célibataires, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a les enfants. Parce que les enfants peuvent gérer. Quand un gars a l'argent, il peut gérer. Quand un gars a l'argent, il peut gérer. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Et si vous êtes honnête, vous allez me dire la vérité. Quand un gars a l'argent, il peut gérer. D'accord?
une des raisons qui empêche certains hommes de se mettre avec certaines femmes célibataires, certains mamans célibataires, c'est que la mère célibataire continue à coucher encore avec le père de ses enfants. Tout à l'heure, je pensais à ça, en fait. Il y a toujours comme si un droit légal, c'est-à-dire que le gars, comme il a fait les enfants avec la femme, dans sa tête, lui, il est toujours l'homme, en fait. C'est le gars, car elle lui a quand même donné la chose la plus précieuse, en fait. D'accord ? Il y a un monsieur qu'on appelait Kevin Samuel qui disait, quand tu donnes un enfant à un homme, tu lui donnes la chose la plus précieuse. Pourquoi ? Parce que tu fais sortir de ta matrix, d'accord, qui est ton centre de pouvoir. Le sexe d'une femme, c'est sa puissance. Je parlerai de ça un autre jour. Il y a une puissance, c'est pour ça que les hommes se font la guerre. Il y a des guerres qui sont déclenchées à cause du sexe de la femme. Il y a des femmes qui déclenchent des guerres entre pays, juste à partir de leur chambre à coucher, d'accord, avec leur généraux, leur président, leur mari président, en fait. Certaines mamans célibataires continue à coucher avec le père des enfants. C'est pour ça que l'autre arrive, il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il a peur de l'enfant, il a peur de la présence de l'autre. Soyons honnêtes, beaucoup de mamans célibataires, pas toutes, hein, n'ont pas coupé un lien véritable et sincère. N'ont pas coupé un lien véritable et sincère. Je vous dis la vérité. C'est lui qui vient s'occuper des enfants. Par exemple, un jour, il arrive à la maison, il veut s'occuper des enfants, il donne l'argent pour les enfants, et toi, le nouveau mec, tu n'es pas là. Ben, il est à la maison avec la femme, il demande comment ça se passe, voilà. Il se souvient des anciens trucs. À un moment donné, il la voit, bon, elle est encore belle, ou même le fait qu'elle soit déjà avec quelqu'un d'autre, ça lui donne encore envie d'elle. Il va essayer de coucher avec elle, il recouche avec elle, en fait. Pourquoi ? Les liens d'âme. D'accord ? Les liens d'âme. Malheureusement, c'est ça, c'est ce que les coachs ne vous disent pas sur Internet. Beaucoup de mamans célibataires couchent encore avec le père de leurs enfants. Pendant qu'un essaie de se faire de l'espace, de la place. Je ne suis pas en train de vous parler du droit de correction qu'il n'arrive même pas à avoir vis-à-vis des enfants. Ne parle pas de ça. Je ne vous parle même pas du moment où l'enfant lui dit « Tiens, pas mon père ». Je ne vous parle même pas des moments où la fille va dire au gars « Tu n'es pas son père ». Non, je vous dis, certaines femmes continuent. Je sais de quoi je parle, je vois ça, je vois, je côtoie, je coach, je parle en fait. Ce que je dis, c'est prouvé. Ah, c'est prouvé, j'ai vu. Que les femmes nous disent, ne mentez pas, ne mentez pas. Certaines femmes, elles continuent à coucher avec de temps en temps. Vous n'êtes plus ensemble. Mais le gars revient, il te met un peu la pression, il connaît ton corps, il te touche un peu là derrière, machin, il te flatte un peu. Tu lui dis que moi, je suis quelqu'un d'autre, hein, machin. Il te flatte après, boum. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'enfant. Voici les filles qui sont en train d'avouer, non. Je vais rester sur ce sujet-ci. Je reste dessus. Vous voulez dire que je mens? Vous voulez me faire mentir? C'est la vérité. Vous voulez me faire mentir? C'est la vérité. Donc, beaucoup d'hommes, quand ils voient les enfants, ils ne veulent pas. C'est pas parce que vous êtes... Mon frère, quand un homme aime une femme, il va aimer ses enfants. Quand un homme aime vraiment une femme, combien d'hommes se sont brûlés les ailes en se mettant avec des mamans célibataires? Parce que le lien d'âme n'a pas été brisé. Tu as trouvé les liens d'âme avec l'ex. Il fallait rester ensemble, mais pourquoi ils ne sont pas restés ensemble en fait? Pourquoi? Voilà, ça c'est autre sujet. Tu vois, elle me dit que si elle dit c'est prouvé ce que vous dites, coach. 7 couples sur 10 sont détruits à cause de cela, car la maman n'arrive pas à faire la part des choses pour rester éloignée de son ex. C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Est-ce que je mens? Parce que j'ai remarqué quelque chose, je suis en train d'étudier ça. Il y a une dimension dans la psychologie féminine qui me fascine. Mais ça me fascine. Je crois que je vais dédier une partie de ma vie à étudier ça. La femme a tendance... Les femmes ont tendance à vouloir ne pas regarder la réalité en face, en fait. Non. C'est rien, c'est rien. Il n'a plus aucun droit. Non. Mais en privé, on voit des choses. Hein, tu te fâches contre... Par exemple, tu dis que tu étais séparé du père de l'enfant. Après, un jour, il arrive, il te flatte, il a l'argent, machin. Hein? Est-ce que tu es assez ferme pour lui dire, je suis avec quelqu'un, j'ai refait ma vie, je ne reviens plus. Combien? Hein? Quand tu l'attrapes, elle te balance, ah, mais c'est quand même le père de mes enfants. Ce n'est pas n'importe qui. L'excuse minable. Voilà, Elsa. Voilà ça que j'ai dit ici. D'accord? Donc, prenez aussi ma vidéo. Vous allez mettre ça sur Internet pour que soit des gens m'accusent, qu'on dise que j'ai parlé mal des mères célibataires, comme ça se fait là. L'incapacité à être
à regarder la vérité en face. Donc, les gars ne veulent pas. Les gars, un gars ne veut pas. L'une des raisons pour lesquelles moi, je n'aurais pas pu, moi, je me connais, je connais mon caractère. Une des raisons pour lesquelles moi, je n'aurais pas pu me mettre avec une maman célibataire, ce n'est pas... J'aime beaucoup les enfants. Moi, j'ai des enfants qui m'appellent papa. Des familles que je connais, j'arrive là-bas, ils m'appellent papa. La première fois que je suis arrivé en France, j'ai rencontré une vietnamienne, franco-vietnamienne, avec sa petite, son enfant. Le père n'était pas... Elle a commencé à s'accrocher à moi. Papa, papa, papa. Ça m'a fait bizarre. J'ai aimé passer du temps avec elle, mais je devais me séparer. C'était un peu difficile le soir. Moi aussi, c'est pareil. J'aime les enfants. Mais le fait de penser qu'il y a l'ombre et le fait de te demander est-ce qu'elle va tenir? Parce que la femme, c'est la femme qui donne un accès à son sexe. C'est la femme qui donne accès à la sexualité. C'est la femme qui décide s'il y a rapport ou pas. Je ne parle pas des cas de viol, attention, ce que je condamne avec la plus grande énergie. Mais c'est la femme qui décide. Une femme, c'est elle qui... Il y a les hommes, ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop beaux qu'ils ont réussi à accoucher avec les femmes. Non, tu as couché avec elle parce qu'elle a voulu, mon ami. Elle a voulu. She wanted to have sex with you. She wanted, she planned it. Elle a planifié ça. Elle t'a vu, elle t'a scanné. Oui, beau gosse, voilà. Il a l'air d'être bien. En plus, ils sont bon, écoute, je peux me laisser un peu aller. Hein. Et tu arrives, tu penses que tu es seulement un trop grand tombeur. Non, elle a décidé. D'accord? Et non? Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à casser? À cause des liens d'âme, l'attachement. Oui, les liens d'âme. Les liens d'âme, l'attachement. OK? C'est vrai que le fantôme de l'Est qui pose plus de problèmes, et c'est dommage de vivre dans le passé au lieu de profiter de la grâce, oui. Oui, mais le fantôme, c'est à toi de rassurer, c'est à toi de... Hein? Il y a les gars qui ont pris les femmes avec 3-4 enfants. Hein? Parfois, 4 enfants avec des pays différents. Il prend, il épouse. Elle réussit quand même à le tromper. Mon Dieu! Et quand elle vient te parler, elle est dépassée de ce qui lui arrive. Mais elle est dépassée pourquoi? Les liens d'âme. Les liens d'âme. Ça rend même les gens dingues. Regardez, je vais vous expliquer. Dans le livre aussi, dans les 50 questions à poser, j'ai parlé des liens d'âme. D'accord? J'ai pris 2 chapitres pour parler de ça. D'accord, je vais vous expliquer ce qui se passe hein, lorsque tu as les liens d'âme. Premier, les symptômes en fait des liens d'âme. Les symptômes. Qu'est-ce qui démontre que tu as les liens d'âme? Première chose, c'est la confusion. D'accord, la première chose, c'est la confusion. Écoute, seules celles qui vont vous crucifier, c'est parce qu'elles se sentent concernées par ces... Oui, moi, j'ai perdu des gens. D'accord, il y a une fille que je l'ai... Un moment donné, qui a disparu, elle a commencé à être très venimeuse envers moi, commencé à me manquer de respect publiquement ou à travers des gens. Et quand j'ai étudié, j'ai essayé de me poser 1000 questions. C'est quelqu'un que j'ai dit dans le nom. Je me suis rendu compte que c'était à cause d'un un statut que j'avais mis en fait sur les mères célibataires. J'avais expliqué une certaine réalité. Elle n'a pas pu supporter ça. Et elles sont pas, il n'y a pas seulement une, hein. Il y a aussi une autre. Peut-être 2 que je peux lister maintenant. Oui, je n'ai pas le choix. Il faut qu'on dise la vérité. Arrêtez cette génération où vous voulez toujours qu'on vous flatte. J'arrive aux hommes. D'accord. Donc, premier élément, moi, je veux me diriger vers le mariage. Cependant, je suis de culture française. Je ne suis pas converti à une religion, même si je suis très croyante. C'est mon choix. Comment rencontrer l'homme? S'il te plaît, Erin, tu peux garder ta question pour la fin du live, s'il te plaît. Sinon, je vais me distraire. OK, je vais répondre à tout le monde. Donc, numéro 1, la confusion. Celui qui a les liens d'âme vit dans la confusion. Son esprit lui dit une chose et son âme lui en dit une autre. Son esprit lui dit, par exemple, il ne faut pas aimer cet homme. Il est marié à quelqu'un d'autre. Son âme lui dit, il souffre dans son mariage. Avec toi, ce sera différent. Son esprit lui dit, la Bible dit que chaque femme est son mari et chaque homme est sa femme. Son âme lui dit, les choses vont changer. Il finira par la quitter et t'épouser, sois patient. Moi, j'ai vu des femmes attendre 8 ans un ex, 8 ans, 9 ans. T'as dit que ça s'est mal passé avec l'ex. L'ex allait se marier. Elle attend pendant des années. Elle attend. Elle se dit. Elle arrive même à se faire un film dans sa tête. Elle arrive à se convaincre dans sa tête. Oh mon Dieu. Elle arrive à programmer son subconscient en pensant qu'un jour, le gars, ça va mal se passer. Il va revenir. D'accord. Je vais vous expliquer comment ça se passe. D'accord. Hein? Dieu ne te donnera jamais une personne dont le cœur est déjà pris. Marié ou pas marié. D'accord. Voilà. Deuxième élément, le sentiment d'être misérable. Aussi longtemps que l'être humain pêche, il se sent misérable car la vérité en lui crée
une lutte qui les désole. D'accord? Donc, quand tu as les liens d'âme, en fait, tu te sens dégoûté. Mais en même temps, tu es incapable de bouger, de changer, de prendre des décisions pour retrouver la paix. La dépression, l'angoisse et le désespoir commencent à jalonner ta vie. D'accord? C'est-à-dire que quand tu as les liens d'âme, hein, pendant que les autres sont en train d'avancer dans la vie, toi, tu es toujours en train de chercher une solution. Certains même vont jusqu'à recontacter les amis de l'ex. D'accord? Envoyer des messages. D'accord? Tu es une femme, tu es censé faire ta vie avancer, mais tu es toujours en train de garder les amis de ton ex. Tu continues à causer avec eux. Souvent, tu leur fais du bien. Parfois, tu les invites comme ça à causer. Moi, je connais une femme qui m'utilisait pour toucher son ex. Elle m'utilisait. C'est le Seigneur qui m'a sorti de là, en fait. Elle m'invitait chaque fois. Et quand elle m'invitait, je me disais que c'était une invitation dans le cadre familial, comme ça, voilà, parce que bon, elle aimait bien ma mère. Quand j'arrive, elle ne fait que me parler de son ex, de comment son ex lui a fait du mal. En fait, elle m'utilisait pour que j'aille plaider en faveur d'elle. Plaider. Non, avance dans ta vie. Hein? Avance dans ta vie, en fait. Ça allait loin. T'es vide, on te fait à manger. Hein? Bon, marcher, acheter des trucs. Pourquoi tu me fais à manger? C'est pour que tu ailles plaider en sa faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que lui, il avance, hein, il a ses copines là à Paris, il a ses copines partout au Cameroun, il voyage avec des filles, les amis. Toi, tu es toujours, hein, dans les sépulcres, dans la tristesse, la misère. Tu attends toujours ce jour. Hein, et tu cherches les alliés à ta cause pour qu'on aille parler pour toi. Oui, certaines filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont même à côté des bureaux de là où le gars travaille. Elle passe par là comme par hasard. D'accord? Elle sait qu'il travaille à la rue Malakoff à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va passer là au moins une fois, deux fois par semaine. À des heures où il est potentiellement capable de passer ou alors d'être en train de prendre à manger quelque part, en fait, dans un restaurant. Elle passe par là comme le fait du hasard pour qu'il la revoie. Pourquoi te donner autant de souffrance? Les liens d'âme. Les liens d'âme. Et là, tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal, en fait. C'est pourquoi vous allez voir un homme ou alors une... même les hommes ont les liens d'âme. Oui. D'accord? Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te donner le mariage. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il voit que ton âme est encore attachée. Tu es encore marié à quelqu'un d'autre. Oui. Tu es encore en train de penser. Il va t'amener ça. Pourquoi? Il sait que si tu t'amènes un gars, tu vas le gaspiller. Et il y a des couples comme ça. Hein? Tu crois avec une fille, elle dit qu'elle ne respecte pas son mari. Elle ne l'admire pas. Pourquoi tu n'admires pas ton mari? Pourquoi? Comment tu es marié avec un homme, tu ne l'admires pas? Hein? Tu n'arrives pas à te connecter à lui. Hein? Et quand c'est comme ça, même le sexe là, tu as beau faire les coups des reins électriques ou faire comment... Parce que la femme, c'est d'abord le cerveau. D'accord? Elle se souvient de l'ex, de ce que l'ex lui faisait, des positions sexuelles. Hein? Maintenant, elle se met avec toi. Elle n'est pas connectée avec toi, en fait. Tant que la corde là, tant que la corde là est toujours présente avec l'ex, tant que cette corde est toujours présente avec l'ex, là, elle ne pourra pas prendre une nouvelle corde avec toi. Elle ne pourra pas. Oui. Hein? Hein? Oui, c'est la vérité. D'accord? Troisième élément, la tourmente. La tourmente. Tu as constamment les images de toi et de cette personne qui reviennent en boucle dans ton esprit. Tu revois les bons moments passés ensemble. Ces pensées te donnent envie d'appeler la personne, de lui écrire, de marcher vers son lieu de travail en espérant qu'elle te voie et t'aime encore de nouveau. D'accord? Quatrième élément, la désobéissance. Oui. Tu désobéis à ta destinée. D'accord? Vous serez choqué de voir qu'il y a des gens, à cause d'un lien d'âme, ils ne voyagent pas. Oui, même des gars, ils ne voyagent pas. Mais c'est beaucoup plus ces femmes. Excusez-moi, j'arrive chez les hommes. J'ai vu une fois dans un groupe, on m'a invité à parler dans un groupe une fois sur les relations. Et dès que j'ai commencé à dire la vérité, d'abord, on m'a évincé du groupe. Boop! Pendant que j'étais en train de parler, ça m'a vu. Boop! Vous avez été retiré du groupe. Vous avez été retiré. Boum. Il y a des femmes. Dans le groupe, il y a une dame qui, elle était en train de mettre son argent de côté de ses études pour donner à son gars, parce que son gars allait faire des études et après, il allait devenir quelqu'un et après, il allait l'épouser, il allait être bien.
Il n'y a que certaines femmes pour penser comme ça. Vous avez déjà vu un homme qui fait ça? Il prend son argent de ses études, il donne à une femme et il est au quartier. Les hommes qui ont fait ça, ils ont fini par brûler ces femmes. Parce que ces femmes-là, je connais l'histoire aussi d'un gars qui a fait ça au Cameroun. Il a payé les études à la... Il était un taximan. C'était un taximan. Il a payé les études à la fille. Lycée. École, non, lycée. Secondaire, non. Université. Elle est devenue magistrat. Il continue à faire son taxi. À un moment donné, dans son domaine-là, bah, dans son domaine, dans sa haute sphère, non? Quand même, ça va, ça tape très haut. C'est avec des avocats, c'est des gens qui gagnent des millions, qui sont de bons, qui rencontrent des ministres, qui roulent dans des Range Rovers. Voilà, c'est ça un peu leur milieu. C'est les gens qui font des conférences à l'international, qui se forment, qui partent aux États-Unis. Voilà, voilà. Ça vole très haut. Toi, tu es toujours taximan, mon frère. Tu es toujours taximan, taximan. Parce que c'est ta passion. Il y a des gens, c'est leur truc. Il y a des gens, c'est ta vision. Tu veux être taximan, alors tu gagnes bien ta vie. Hein? Tout travail produit l'abondance. D'accord? Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Sauf qu'elle, en fait, elle t'aime, mais sa mère, la mère du gars, a commencé à mettre, de la fille, a commencé à mettre la pression à la fille. Que gars, c'est quoi? C'est comment tu sois bien taximan? Tu vois, qu'il n'est plus à ton niveau, toi aussi. Hein, c'est bien, c'était bien un temps. Bon, vous avez fait vos choses, mais gars. Et la semence de la mère, ça rentre dans le cœur de la fille. Et elle commence à se retirer de lui. Ça devient des propos un peu. C'est des paroles, des piques. Hein, c'est des trucs bizarres. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle le quitte. Le gars, il regarde, il voit qu'il a dépensé au moins 10 ans. Il t'a payé les études pendant au moins 10 ans. Il comptait faire sa vie avec toi, tu le laisses. Le gars s'est réveillé, il est allé à la station, il a pris des bidons de pétrole là. Il est venu, il a brûlé, la fille s'est brûlée, ils sont morts. Il a dit, mieux on meurt. Better on die. Better on die. Better on die. Oui. Hein? Ces gens-là, je dis ça souvent là, l'affaire du karma, si. Manger l'argent des gens. Tu manges l'argent de quelqu'un, tu manges l'argent d'un homme, même les hommes. Il y a des hommes comme ça aujourd'hui qui sont maudits. J'en parle dans le livre. Il y a des hommes qui sont maudits aujourd'hui parce qu'ils ont promis le mariage à une femme. Ils ont couché avec la fille bien. Ils promettent le mariage. Il arrive en Europe, il voit les filles d'Europe. Hein. Il voit des blanches, il voit des métisses, il voit des sénégalaises, il voit des. Comment on appelle ces jolies femmes-là? Les éthiopiennes. Elles sont belles. Il voit mon frère, il abandonne sa go du quartier. Sa go du quartier. La fille du voisin. Le voisin peut-être du menuisier. Sa fille n'a pas pu aller en Europe, mais il a dit, je vais voyager, je vais venir te chercher. Il t'abandonne. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais la fille peut finir avec ta vie. La fille peut finir avec ta vie. Elle finit avec toi. Hein? Vous avez un rapport sexuel. Chaque fois que tu couches avec une personne, tu es en train de rentrer dans une alliance. D'accord? Qu'elle soit légale ou illégale. Vous devenez une seule chair. Un homme qui couche avec une femme. Hein? Il y a des femmes qui ont 27 maris. Pourquoi est-ce que la plupart des femmes n'aiment pas dire le nom de personne? On appelle ça en anglais le body count. Pourquoi elles n'aiment pas dire le nombre de personnes avec qui elles ont eu des rapports sexuels? Pourquoi aussi des hommes? Pourquoi aussi les hommes? Non, les hommes disent. Les hommes même souvent disent par fierté. Mais en fait, plus tu as eu des rapports sexuels, que tu es un homme, si tu as couché avec 50 femmes, sache que tu es marié à 50 personnes. Oui. Femme pareille. D'accord? Marié à autant de personnes. Vous êtes marié à autant de personnes, en fait. Oui. Et après, tu n'arrives pas à te connecter à quelqu'un. Tu ne comprends pas. Hein? Tu ne comprends pas. Tu n'es jamais satisfait sexuellement. Oui. Fois, j'ai coaché une dame, elle se plaint de son gars, elle se plaint, elle se fâche contre lui, elle ne me dit pas la vraie raison. Mais pendant qu'elle me parle, en anglais, j'ai étudié en français, à l'école, j'ai étudié ce qu'on appelle les occurrences. Lorsqu'un mot intervient plusieurs fois dans un texte, d'accord? Parfois, je crois que tu as un commentaire composé, non? Hein? On te donnait un texte sans titre, on te dit, trouve le titre. Oui, on te donne un texte sans titre, on te dit, trouve le titre. On te donne un texte sans titre. On te dit, trouve le titre. Comment tu trouves le titre? Tu trouves le titre en détectant dans le texte
le type de mot qui revient à chaque fois. Ou alors un mot qui ressemble. En fait, des mots qui s'accordent, qui se ressemblent, hein, qui sont similaires, mais qui reviennent à chaque fois. Donc, pendant qu'elle me parle, j'entends, oui, je ne suis même pas satisfait sexuellement. Après, non, 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 il me touche même pas bien. Hein. Après, encore, sexuellement, elle a parlé de ça peut-être 18 fois dans sa colère. Et j'ai compris que tout ce qu'elle me disait au-dessus là, ce n'était pas ça du tout le problème. Le problème, c'était le sexe. Vous comprenez? Le champ lexical. Merci, Joseph. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Ce que je vous dis là, peut-être que ce ne sera pas populaire. Mais ceux qui vont retenir ce que je dis, ça va vous sauver votre destinée. Je vais lire quelque chose, je vais lire un passage. Quelqu'un peut prendre le livre de Proverbe 5. Là, maintenant, j'attaque les hommes. Proverbe 5, parce que on dit vous êtes fort aux fesses. Fort aux fesses, FAS, vous êtes content. Fort aux fesses. Vous ne savez pas que. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai fini le dernier truc? Oui, la désobéissance, c'était le dernier élément. Voilà. Maintenant, Proverbe 5, verset 1. D'accord? Proverbe 5, verset 1. Proverbe 5, à partir du verset 1. D'accord? Il est dit, mon fils, d'accord? Ça, c'est Salomon qui parle. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion. Regardez. Hein? Sois attentif à la sagesse. Et prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion. Donc, que tu réfléchisses, que tu ne te pètes pas, que tu ne deviens pas bête, en fait. D'accord? Tu ne deviens pas bête. Vous allez comprendre le lien entre ça et le sexe, en fait. Tu ne deviens pas bête. Et que tes élèves gagnent la connaissance. Car! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Hein? Prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion. Donc, que tu ne deviennes pas fou, que tu continues à réfléchir comme quelqu'un de sensé. Que tu ne perds, tu ne deviens pas bête en fait. Il dit, verset 3, car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Ouais, Seigneur. Et les gens, ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils ont maintenant l'argent, parce qu'ils ont maintenant, ils sont arrivés à un certain niveau maintenant que la femme arrive. Ils comprennent, ils ne font pas le lien. Tu étais là, les femmes ne voulaient pas de toi. Elles ne voulaient pas de toi. Tu te trouvais naze. Cheveux bizarres. Hein? Chaussures tordues, tu galérais. Comme par hasard, il y a une qui vient maintenant distiller son miel sur toi. Hein? Elles sont là, elles viennent avec Pardon, ma Seigneur. Bon, je vais bien utiliser les expressions là. Dieu sait où il m'a pris. D'accord? J'ai mon jargon là. Quand je parle, ça frappe. Il y a les femmes qui me disent, tu es trop sec, tu parles, ça te fait mal. Je dis oui, je frappe, je suis obligé. La Bible dit qu'il y a les âmes qu'on sauve par le feu, la flamme. Ça te brûle et ça te sauve. Parce qu'il y a les gens têtus. Les gens têtus, tu leur parles, ils ne comprennent pas. Ils font pas le ah non, le diable, oh, désir, la femme. Non, ce n'est pas le diable. Car ses lèvres, les lèvres de l'étranger, distillent le miel, on va lire ça ensemble. Hein? Regardez, quand les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Ach, ach. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pieds atteignent le séjour des morts. Hein? Vous savez quoi? À partir d'aujourd'hui, je vais multiplier les sujets comme ça là. Parce que chaque, je vois, il y a des gens là qui ont des émissions tout le temps, qui ne font qu'enfoncer les gens dans le trou. Je vais continuer. Hein? C'est quoi? Les lèvres de l'étranger distillent le miel. Hein? Non, elle a les lèvres. Mon frère, dans une femme, c'est ça que vous allez voir certaines femmes là sur Internet, elles ont les lèvres roses, genre là. Elles ont leur gloss qu'elles mettent là. C'est-à-dire, quand tu vois ça, c'est comme s'il y a le miel sur ses lèvres. Si tu n'es pas un homme d'intégrité, un homme qui est assis dans la parole, tu vas paniquer. Hein? Il y a une dame là sur Internet, elle fait ses maquillages, elle dit que oui, qu'elle va aller attraper un client, voilà ce qu'elle met, qu'elle la rendez-vous avec un boss, voilà le genre qu'elle met, le gars panique. Elle le fait avec la comédie. Mais c'est les choses qui marchent. Hein? Je vais multiplier le sujet-ci, je suis obligé. Ha. Hein?
Regarde. Hein? Et son palais est plus doux. Son palais est plus doux que l'huile. Aïe, les huiles essentielles sur le corps. Les huiles essentielles sur le corps. Quand tu te masses, c'est les huiles essentielles. Mais à la fin, elle est amère comme l'abcine, aiguë comme un glaive à deux tranchants. C'est-à-dire que elle t'attire par ses lèvres douces, mielleuses. Tu viens, tu embrasses ses lèvres. Derrière, là, il y a le couteau. Ça te mâche la bouche. Ça te fend le menton. Mais oui. Hein? Beaucoup d'hommes sont tombés sur le chemin de bataille à cause des lèvres roses. Elles se lavaient les lèvres roses. Hein? Et c'est pareil aussi pour les femmes. Hein? Il y a des gars là, les lèvres roses sur Internet, les lèvres roses. Ils mangent des chocolats avec des fraises. Hein? Mange de la fraise. Pourquoi tu plonges la fraise dans le chocolat? Hein? Ils mangent comme ça là. Elles paniquent. Hein? Derrière les lèvres là, il y a des couteaux. Il y a des couteaux derrière. Tu me fâches. On va se voir le sang partout. Oui. Hein? Hein? Ses pieds descendent vers la mort. Donc ses lèvres sont roses et mielleuses, mais ses pieds sont vers la mort. Tu embrasses ici, mais on t'entraîne vers la mort. Hein? Le verset, c'est trop dangereux. Vous allez voir la sorcellerie dans le verset. La sorcellerie. Il y a les révélations sur la sorcellerie ici. Ses pieds descendent vers la mort. Donc tu embrasses. Tu embrasses la bouche de la femme, tu embrasses la bouche de l'homme. Hein? Le miel, l'huile du palais. Mais tes pieds sont en train de glisser vers la mort. Oh, il était gentil. Oh, il était bon. Oh, vraiment. Dieu a donné, Dieu a repris. Quelle la volonté de Dieu. Ça... Dieu a donné, Dieu a repris quoi? Il a repris, il n'a jamais repris. Non. Le séjour des morts. Hein? C'est pas. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Oui, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Regardez les caractéristiques. Ce genre de femme-là, aux lèvres roses, elles sont sur TikTok. TikTok toute la journée. Hein? Hein? Elles sont en train d'imiter la fameuse Kelly. Tu vois, des femmes de 40 ans sont là. Elles vont que balancer leur corps. Elles ne savent pas. Elles n'ont rien à faire la journée. Elles font des directs sur TikTok. Tu les vois du matin au soir. Hein? Hein? Elle est errante dans ses voies. Elle erre. Hein? En anglais, on appelle ça restlessness. Elle n'est pas posée quelque part dans une maison avec sa famille. Hein? Elle n'est pas posée. Son corps gratte. Son corps gratte. Ses jambes chauffent. Ça chauffe. Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut mettre quelque chose là. Hein? Elle est errante dans ses voies et ne sait où elle va. Elle n'a aucune vision. Tu causes avec une femme, c'est aucune vision. Hein? J'en ai rencontré comme ça avant de me marier. Tu causes aucune vision. Les commérages sur les gens. Hein? Elle a fait ceci, elle a fait ceci. En train de parler des gens. Aucune vision. Comme tu sens que si tu te mets avec elle, le voile qu'il y aura sur tes yeux, la magie. Il y a aussi des hommes comme ça. Malheureusement, les femmes, je vous dis, il y a des hommes comme ça. C'est les voiles. Tu parles à un gars, aucune vision de la vie. Une femme, c'est quoi tes projets? Ouais, bon, j'attends Western Union là. Mais c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, mon frère est pro. Tu regardes avec mon frère est ministre. Non, en fait, je parle de toi. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes projets? Ah, écoute, mon père a un champ de 17 hectares là à Bafoussam. Bon, on va cultiver ça. Hein? Tu regardes le gars, pantalon slim, sans bon, même les mains sont douces comme. Douce comme, je sais pas, il ne travaille jamais. Aucune vision. Tu es émerveillé par la beauté. J'ai un homme qui est là tout le temps sur sa beauté. Lèvres roses. Ce n'est pas des red flags. Hein? Un homme qui est là tout le temps, les lèvres roses, hein, machin, il prend des heures sur sa beauté. Un homme qui travaille, un homme de vision, il trouve le temps où pour être dans les lèvres roses. Il trouve le temps où. Hein? Je vous dis la vérité. Ah. Il dit, maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas les paroles de ma bouche. Et vous savez quoi? L'homme qui écrit ces conseils-ci, c'est un expert dans les femmes. Allez lire le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, d'accord? Le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre qu'on appelle un livre sarcastique. Un livre où il se moque de lui, de la vie. Il dit, tout est vanité. En fait, il a tout fait.
Donc, quand le Père ici te donne des conseils sur les femmes, écoute, quand Salomon te donne des conseils sur les femmes, tu n'écoutes pas. C'est ton problème. Il dit, hein, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Si tu connais la maison d'une belle femme, ne pars pas là-bas. Ne t'arrête même pas. Quelque chose peut t'attirer. Le vent peut t'attirer là-bas. Ne pars pas. Hein? Mon frère, vous savez combien de fois je fuis les femmes qui veulent. Il y a mon frère. Et les femmes, elles ne veulent pas de coaching en ligne, elles veulent te voir. Hein? Elles disent que je suis prêt à mettre, je ne sais pas, beaucoup d'argent pour mon coaching, mais il faut que je te voie. Mais on peut faire le coaching en ligne, on peut travailler sur Zoom aujourd'hui, voilà. Hein? Aujourd'hui, tout est digital, on peut travailler en ligne. Non, coach, moi j'aime la présence. Tu ne comprends pas, coach, tu vois. Moi, j'aime l'expérience, j'aime expérimenter des choses en live, d'accord? Je suis pas très technologique. D'abord, c'est pas comment Internet ça marche là. Hein? Zoom, j'ai pas de compte Zoom, tu vois. Je suis pas trop dans ça. J'ai pas de temps à perdre. Moi, je veux te voir. Je veux te voir comme ça en live. Hein? Je suis prêt à payer pour ça. Dis-moi seulement où je te retrouve. Hey! Le mari de Joana, le coach Joana, pardon. Hein? Dieu m'a béni à ma femme, ma belle femme, pardon. Pas venir gâcher ma vie. Et quand tu dis non, elle insiste, elle dit, bah, écoute, dans ce cas, bah, je vais pas pouvoir travailler avec toi, coach. Bon, écoute, je dis oui, vraiment désolé. Imagine, tu es un coach aujourd'hui. Ça, je parle aux jeunes coachs qui commencent. Tu es coach aujourd'hui, hein? Parce qu'aujourd'hui, le truc, c'est simple, le branding. Non, il y a le personal branding, c'est-à-dire que tu sais ce que les gens veulent regarder. Les gens aiment quand tu t'habilles bien, tu te coiffes bien, tu parles bien, d'accord? Tu te filmes dans des belles voitures, tu mets des bons costumes. Donc, tu es un jeune coach. Admettons que tu sois un jeune coach. Je vais même parler des femmes. Beau costume, belle veste, bon, belle veste, chemise blanche, tu es bien coiffé là. Il y a une tata là, il te voit. Elle dit, mais le gars, là, il est musclé, hein? En plus, il parle bien. Waouh! Dis donc. Il fait quoi là? En plus, sa page. Regarde tes vidéos. Au lieu d'écouter le contenu, elle n'écoute pas. D'écouter ce que tu dis, elle n'écoute. Non, ça l'intéresse pas, mon gars. C'est toi qu'elle veut. Elle regardait dans une grande maison. Hein? Toujours, elles ont toujours comme ça. Grande maison, grosse voiture, mais il n'y a personne dans la vie. Oui. Elle t'a écrit sur Internet. Elle veut parler avec toi. Vous parlez. Et toi, tu es un jeune coach, tu viens de commencer. Tu galères, mon frère. Tu n'as jamais touché 1000 euros, mon frère. Tu n'as jamais fait tes coachings, c'est peut-être 30 euros de l'heure. Hein? En plus, il te fait payer à l'heure au lieu de. Hein, voilà. Ce qui n'est pas bien, payer à... Bref, c'est l'autre truc. Hein? Elle te dit, mais c'est combien la séance, machin, truc, bon. Écoute, ouais, bah, dis-moi juste comment je fais. Je te fais un virement ce soir. Est-ce que tu as un PayPal? Est-ce que tu as un compte? Je fais ça tout de suite, d'accord? C'est quoi, c'est 2000, hein? Tu entends 2000 quoi? Mais non, oui, mais parce que bon, j'ai l'habitude de travailler avec des coachs, hein, et je sais que ça va dans cette fourchette de prix-là, 2000, 3000 euros, hein? 2000, 3000 euros, voilà. Un gars qui fait des coachings à 30 euros de l'heure. Il faut qu'il pose 2000 euros. Mais si tu es léger, c'est ton problème. Tu paniques. Hein? Voilà. J'ai libéré la parole haut. Voilà. Parce que les jeunes coachs, à ce moment, vous avez accès à beaucoup de femmes. Je sais de quoi je parle. Elles vous appellent tout le temps. Elles vous déversent un problème. Be careful. OK? Voilà. Il dit, ne t'approche pas de sa porte, la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ça veut dire quoi? Pardon, Joseph, affiche-moi le verset là. Verset 9. Je vais vous expliquer ce que c'est. De peur, regarde, prends à partir du verset 8. 8 à 9. Non, 8 à 10. Voilà, prends-moi du verset 8 à 10. Affiche ça, pardon. Je vais afficher, mets ça, le verset 8 à 10. Vous allez voir la magie. Vous allez voir le feu ici. Hein? De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Donc, quand tu sors avec la femme qui a du miel sur les lèvres, la femme qui a les lèvres roses, tu cours le risque de donner ta vigueur
à d'autres. Ouh là là, let's check this one. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu livres ta vigueur à d'autres. À qui les autres? À d'autres hommes. Et tes années à un homme cruel, de peur que les étrangers ne s'en rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Aïe, 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 mais comment elle explique ça? Les hommes là, les forts aux fesses là, FAF, super seigneur du sexe, FAF. Venez lire, venez lire. Hein? Hein? Venez lire. Hein? De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Comment est-ce qu'un homme peut livrer sa vigueur à d'autres? Expliquez-moi un peu ça. Hein? Comment est-ce qu'un homme peut livrer sa vigueur? Ok, je suis là chez moi. Je livre ma vigueur comment? Continue, personne n'a inventé les versets là. C'est quoi ces versets bibliques? Tu veux montrer quoi là? Tu veux dire que je n'ai pas allé chez une fille comme ça, je sors, je couche avec elle, après je livre ma vigueur à d'autres. Coach, tu mens. Faut laisser l'affaire, la coach. Laisse ta bourse. Ma force, ma vigueur. Vous savez ce qu'on appelle la vigueur de quelqu'un? La vigueur de quelqu'un, c'est ça, c'est son énergie, c'est sa vitalité, c'est sa créativité. La vigueur, c'est la vie, la force de quelqu'un. La force, c'est-à-dire la créativité de quelqu'un. C'est-à-dire que les projets qu'il a en lui, son énergie, sa force, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un, un homme est fort comme un buffle. Allez demander à Samson, il a livré sa vigueur à cause du sexe à d'autres. Ça, c'est un cas de figure. De peur que tu livres ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel, c'est quoi tes années? Ça veut dire que le produit, en fait, la grâce, ton étoile, on parle beaucoup des étoiles sur Internet aujourd'hui. Tout le monde parle, on a volé ton étoile. On sait qu'on vole les étoiles de comment? En fait, on vole ta grâce. En fait, voici la vérité. Quand tu couches à gauche, à droite, un homme peut prendre la femme avec qui tu as couché, pratiquer sur elle et tirer la vigueur de tes années. Regardez aux États-Unis. Beaucoup de filles sont utilisées pour recueillir le sperme des basketteurs. Parce qu'il y a des gars qui sont un peu irresponsables. Tu es millionnaire en dollars, tu as un bon contrat à la NBA. Même les gars de NFL, les boxeurs, tous ces gars-là, les Tyson, tout ça. On t'envoie une fille, elle est dans les couloirs, jolie femme comme tu veux. Avant, tu n'avais pas accès à ce type de femme. Maintenant, tu tombes sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Tu couches avec elle. Elle va prendre ta semence. Pourquoi est-ce que la NBA a demandé dans les conseils, parce qu'actuellement, ils ont des conseillers juridiques et financiers pour les basketteurs. Ils ont aussi des mentors. Et on demande, c'est écrit noir sur blanc, on demande aux joueurs qu'ils partent faire leurs bêtises dans les hôtels, là. Il faut toujours flush. Make sure, t'as dit qu'assure-toi que tu prends ton préservatif là, et que tu vois comment ça part dans les toilettes. Oh, quand vous allez comprendre non, pourquoi vous ne devez pas aller. Qu'est-ce qui s'est passé avec Drake dernièrement, Drake? Qu'est-ce qui s'est passé avec Drake? Drake connaît que beaucoup de filles veulent faire des choses avec lui. D'accord? Drake est parti dans un hôtel, il y a une fille qui est venue, il a couché avec la fille, machin, truc. Au moment où, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, il est allé aux toilettes, il a déposé le préservatif dans un seau, les seaux des toilettes là. La femme est partie par derrière pour prendre ça, pour mettre ça en elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était déjà conscient de ça, il a mis du piment dedans. Il a versé du piment, il a déchargé le piment dedans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue rapidement, elle n'a même pas pris le temps d'inspecter de tout. Elle a directement mis ça dans ses parties intimes. Pour faire quoi? Pour eux, hein? Pour faire quoi? Pour tomber enceinte de lui, hein? Après maintenant, réclamer de l'argent qu'elle va manger avec un autre gars. Donc, c'est quoi? Un homme cruel va manger ta jeunesse, ta vigueur. Donc, la vigueur, c'est quoi? Le travail. Tu joues au basket tous les jours, tu t'entraînes, tu ne dors pas bien, tu ne fais que jouer, jouer, jouer pendant des années. Tu te blesses, on t'opère. Tout l'argent là. Tu vas déposer ça dans un hôtel avec une femme. Elle vient, elle prend ça. L'argent, là, elle va manger ça avec qui? Elle va manger ça avec un gars du quartier, un homme cruel qui t'observe depuis avec son cul dans. Son cul dans. Hein? Il est là. Il te voit à distance. Il vient. Un argent qui n'a pas travaillé. Mais oui. Mais oui.
Mais oui. Regardez, comment on arrive à briser ces gars? Les Mackays ont tous ces gars-là. Un moment comme ça, là, un petit moment comme ça de faiblesse, d'inattention, parce qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas ce que Salomon a dit. Hein, c'est quoi la femme étrangère? C'est quoi la femme étrangère? C'est quoi la femme là, l'étrangère qui distille le mien? Ce sont ces modèles sur Instagram-là. Brittany Renner, c'est un modèle Instagram, d'accord? Elle va maintenant dans les équipes de football américain pour faire des motivations, pour faire des speeches, motivational speech au footballeur. Elle est payée avec ça, d'accord? Elle explique aux gars comment ne plus se faire avoir par les filles comme elle. Les Américains sont trop forts dans le business. Les Américains sont trop dangereux. Tout, c'est une opportunité d'argent. Brittany Renner, qui est une briseuse d'hommes, briseuse de géants. Elle s'en va chez Dallas Cowboys, un peu partout dans les clubs là, pour enseigner aux hommes, aux jeunes rookies, les jeunes qui arrivent à la NFL, ils ont un millionnaire. Elle leur dit que vous là, je vous enseigne aujourd'hui pour que vous ne tombiez pas dans les filets d'une femme comme moi. OK? Vous voyez ça? En fait, elle a profité du scandale qui a eu sur son nom pour se faire une visibilité, en fait. Et les gens l'écoutent, en fait, malgré tout. Parce qu'elle est authentique. D'accord? Et elle a dit quoi aux jeunes? Elle a dit aux jeunes qu'en réalité, ce n'est même pas nous qui vous draguons. Oui, regardez la vérité, hein. N'allez pas croire que ces filles-là sont là partout autour des basketteurs-là. Non, ce sont eux-mêmes, là, les basketteurs-là, dans leur chambre d'hôtel, les footballeurs dans leur chambre d'hôtel, quand ils ont des pauses. Hein. C'est eux qui partent chercher ces filles dangereuses. C'est eux-mêmes qui partent se livrer au diable. C'est eux-mêmes. Ce ne sont pas. Oh. Vous savez pas que la concurrence est rude pour ces filles. S'il y a beaucoup de filles qui viennent faire, ils ont l'embarras du choix. Non. Ces filles-là, que vous voyez toujours avec ces basketteurs, ces footballeurs-là, ces boxeurs-là, ces gars de ces hauts profils-là qu'elles recherchent-là, ce sont toujours, c'est eux la plupart du temps, 80% du temps, c'est eux qui partent draguer ces filles sur Internet. Oui. Voilà. D'accord? Et il y a un gars qu'on appelle PJ Washington, un gars de Charlotte, d'accord? Charlotte Hornets, Bobcat, Charlotte, bref. Il est sorti avec la fille. Elle a fait un truc, elle est tombée enceinte. Et apparemment, il s'est retrouvé en train de devoir lui donner 200 000 dollars chaque mois pendant 20 ans. Hein? Flora dit ça, je confirme, les Américains ont le secret de ça. Si une t'explique comment distinguer les hommes même à vue d'œil, ça donne froid dans le dos. Oui, elles savent. Un gars qui a l'argent, ça se voit. Un gars qui a bien, ça se voit. Elles savent déterminer un gars qui a l'argent. Il y a une fille sur TikTok qui explique aux gens comment reconnaître un homme riche. Oui. Comment reconnaître un homme riche? Elles te disent. Donc, voilà. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gars peut être là comme ça au quartier. Oui, un gars peut être au quartier. Il voit que tu sors beaucoup avec une fille là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller draguer la fille avec qui tu sors beaucoup là. Un gars te voit arriver en Range Rover, en Hummer, tout ce que tu veux, tu as l'argent. Il veut toucher à ta fortune. C'est pas compliqué. Il va sortir la fille avec qui tu sors. Il fait des pratiques sexuelles. Il récupère ta vigueur. C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, tu as tout parlé de ça dernièrement. Il disait qu'il y a les matrices qui sont gâtées. Il y a les femmes, leur matrice. Leur matrice est gâtée. Leur sexe est gâté. Leur sexe est gâté. Et la vie qui en est, elle est gâtée, en fait. D'accord? Certains présidents faisaient ça, non? Certains présidents faisaient ça. Certains hommes de pouvoir faisaient ça. Il est marié. Comment on dit ça? Il est marié lui-même. Mais pour assujettir ses ministres, en fait, il couche avec leur femme. Oui? Oui? Vous comprenez ça? Donc, quand vous voyez une personne qui vous dit non, hein, machin, vraiment, je suis amoureuse du père et du fils. Ah, ma copine, est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a l'argent? L'argent, 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 l'argent. Ces gens-là sont en train de vous détruire. Ces personnes-là vous détruisent. Continuez à suivre. Continuez à suivre tous les jours. Continuez à partager. Continuez à suivre. Maintenant, je vais parler de la vigueur des jeunes femmes. La vigueur des jeunes femmes.
Regardez, avant d'arriver à la vigueur des jeunes femmes, je reste encore sur les hommes. Je reste encore sur les hommes, regardez. Proverbe 7, verset, à partir du verset 6. Proverbe 7, à partir du verset 6, d'accord? Quelqu'un peut noter ça, Joseph, je peux mettre ça en ligne, on va lire. À partir, tu mets du verset 6 à 8, on va lire ça. Il m'arrive parfois à Douala d'être assis dans un restaurant. Je prends juste un jus de truc là, de barba. J'attends quelqu'un. Je vois la serveuse, en fait, belle femme, qui commence à me faire des trucs, des yeux, machin, truc. Elle va à distance, elle me regarde. Après, elle vient, monsieur, tout se passe bien comme vous vouliez, machin. Mon frère, je reste tranquille. Je ne veux pas moi les problèmes. Je dis oui, merci. Et après, je mets mon casque. Moi, j'ai mon secret. Je mets mon casque. Après, quand elle revient encore me parler, elle dit, monsieur, oui. Ah oui, merci, non, c'est bon, c'était très bon, merci. Merci, je remets mon casque. Oui, parce que c'est que je suis en danger. Je suis en danger. On reconnaît les hauts profils, on reconnaît les gens qui ont un avenir, on reconnaît les gens qui vont quelque part, on les reconnaît. On les reconnaît. Hein? Non. Attention. Il y a des hommes qui n'ont pas eu accès aux femmes dans leur jeunesse. D'accord? Ils n'ont pas eu accès aux femmes. Les filles leur donnaient des maux de tête. Mais ils ne comprennent pas qu'il faut rester avec une seule femme. Tu veux devenir un homme puissant. Regarde bien, tu veux devenir un homme puissant dans la vie. Épouse une femme et tu restes avec elle. Fais ta vie avec elle. Une seule femme. Tu veux une femme sexy. Amène ta femme se faire belle. D'accord? Tu trouves qu'elle n'a pas assez de derrière ou assez de fesses. Voilà, c'est ce que les gars cherchent. Assez de secret. Amène-la au sport. Elle fait des squats. D'accord? Ça a été prouvé. J'ai vu. Tu fais des squats pendant... tu fais 3 séances de squats. 3 séances de squats par semaine pendant 3 mois. 3-4 mois. Si tu étais plate, tu vas commencer à avoir des fesses. Oui. Les femmes savent de quoi je parle. Oui, mon frère, je suis dans le domaine du fitness, non? Je suis dans le domaine du sport, la nutrition. Je sais ce que c'est. Hein? Proverbe 8. Proverbe 7. Oui, c'est le secret, non, Emily? Proverbe 7. Il y a des filles qui n'avaient pas de postérieur. Elles étaient plates. Elles sont allées faire le sport pendant... Après, elles mangent. Elles font du squat. Tu la vois tout le temps, elles font du squat. Elles mangent beaucoup. Elles mangent. Après, boum, elles grossissent. Voilà. Donc, fais ça avec ta femme. Et tu laisses les femmes de dehors tranquilles. Oui, tu laisses les femmes de dehors tranquilles, en fait. Hein? Il y a des choses, j'ai dit ça l'autre jour dans le direct, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas si tu n'es pas fidèle à ta femme. Oui, pas, merci beaucoup, Kodassi. Pas la peine d'aller acheter les fesses à Miami. Hein? Il y a des femmes, là, aux États-Unis, elles se mettent du goudron dans les fesses. Et après, ça devient dur, ça crée des choses bizarres dans leur corps. Oui, Vicky dit que coach, souvent même tu as les fesses, mais le gars trouve que tu n'as pas assez. Bah, juste le corps, les fesses, la poitrine, tout ça, sans personnalité, avec beaucoup de superficialité, that's another problem. C'est encore un autre problème là-bas. Oui, parce que les femmes qu'on épouse souvent, elles ont quelque chose qu'on ne peut pas décrire. D'accord? Hein? Ma fille est venue me demander l'autre, je ne sais pas pourquoi tu es épousée, pourquoi tu es maman? Je l'ai regardée, je lui ai dit, oh, elle est belle. Ma femme est très belle. Mais je l'aime. Je ne sais pas. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas te dire un truc comme ça. Je ne peux pas te dire que je l'ai épousée parce que j'ai vu ceci dans son corps, parce que j'ai vu ça. Non. Non. Donc, il y a ce plus-là que vous devez avoir. Hein? Ce plus-là, ce qu'on arrive à expliquer, en fait. D'accord? Donc, Proverbe 7, à partir du verset 6, il dit, j'étais à la fenêtre de ma maison. Vous allez voir. J'étais à la fenêtre de ma maison. Je regardais à travers mon treillis. J'aperçus les stupides. J'aperçus parmi les stupides. Aïe. Regardez comment on appelle un homme. Oh mon Dieu. Oh là là. Il dit, j'aperçus parmi les stupides. Hey. Jesus. Donc il y a les gars qui sont stupides. La Bible est bien. La Bible est sucrée. La Bible a des concepts. C'est-à-dire que parfois... J'ai dit, mais on peut tourner des films sur la Bible, my God. Il dit, j'aperçus parmi les stupides.
Donc, il se lève à sa fenêtre, regarde, il voit en bas des jeunes stupides. Je remarquais parmi les jeunes un garçon dépourvu de sens, hein, qui ne réfléchit pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne réfléchit pas? Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Ouais! Ça veut dire que tous ces gars qui sont dans les rues, là où il y a des prostituées, il y a des filles, ce sont des gars stupides, en fait. Ce sont des gens dépourvus de sens. Oui, parce que le chemin de ces femmes qui passent par les lèvres mielleuses que vous avez vu derrière, les peaux huilées, ça mène au séjour de la mort. Donc, si tu vas embrasser une femme qui est dans la rue, tu es stupide et tu es dépourvu de sens. Non, c'est pas moi qui ai écrit. Hein. Moi, je n'écris pas. Moi, je n'ai pas écrit. Moi, je n'ai pas la Bible. Pas ça. Et je suis en train de vous enseigner avec une de mes anciennes Bibles. Une de mes vieilles. Regardez, il n'y a même plus de couverture, mon frère. Hein, la couverture a sauté. Ça, c'est des dangereuses Bibles, des révélations. Les anciennes Bibles. J'ai acheté ça peut-être il y a 10 ans, je ne sais plus. Hein? Hein? C'est dans les vieilles mamites. Hein? Dans les vieilles mamites, mon frère. Elle dit que ça, c'est des. Dit que j'ai découvert les rémas dans cette Bible, dans les saisons de galère dans le studio. C'était chaud dans le studio, c'était compliqué. Hein? C'était compliqué. Tu devais lire la Bible, mon frère. Tu devais comprendre les concepts pour t'en sortir. Le Seigneur n'avait pas pitié. Ça, c'est les Bibles de l'onction, mon gars. Si tu te touches ta tête, avec, peut-être tu vas tomber. Hein. Ça te délivre. C'est pour ça que ta tête, ça te décide, tu es possédé, ça te délivre. Parce qu'il y a ma souffrance ici dedans. Oh là là. Seigneur, j'aime ta parole. Il dit quoi? Hein? Ah là là. Voilà, merci Joseph de continuer. Hein? Il dit, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mine d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Oh là là. Quelle littérature, quelle envolée lyrique. Que de belles phrases, Seigneur. Tu nous as donné beaucoup de belles choses, oui. Méfiez-vous des femmes qui abordent les hommes. Les femmes qui viennent te draguer en route, mon frère. Méfie-toi. La femme, normalement, elle ne drague pas. Elle marque son territoire. Elle te fait sentir sa présence. Elle passe avec un bon parfum. Un bon parfum juste. Ou peut-être dans un événement, elle vient te servir juste à boire. Hein? D'accord? Hein? J'ai eu ça quand j'étais photographe. Hein? Si vous n'êtes pas attention, mon frère, les femmes, tu es là, tu fais des photos, mon frère. Femme, est-ce que le photographe a déjà bu? Elle sait que tu n'as pas bu. Elle sait que tu n'as pas bu. Elle sait, les femmes sont fortes. Elle a bien vu. Elle t'observe, elle a vu que tu n'as pas bu. Est-ce que vous avez servi le photographe? Il a mangé quelque chose au moins. Il a mangé quelque chose. C'est un bon acteur. Hein. Il a mangé quelque chose. Oh là là, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Mais c'est quoi ça? Bon, écoutez, on va tout vous apprendre ici. Là. Elle rentre en cuisine. Hein? Elle rentre en cuisine. C'est le gâteau que tu veux voir. Tu vois, le gâteau, tu manges ça. Tu n'auras plus l'énergie pour faire la photo, mon frère. Jus d'orange pressé. On sort le plateau. Mange. Hein? Elle te nourrit. Mais il faut savoir, mon gars. Hein? Hein? Méfiez-vous. Méfiez-vous, mon ami. Hein? Je vous sors le secret des femmes, non? Quand elle parle, les femmes disent, mon frère, c'est quoi dans le... Non? Non, mais vous êtes sérieux, là? Dans le photographe, il n'est pas encore... Mon frère! Il faudrait pas encore manger, mais c'est quoi ces manières? Qui vous a éduqué? C'est pas comme ça dans notre famille, les choses pas ça comme ça, c'est quoi? Hein? Tu te doutes pas, mon frère. T'as pas des jus d'orange, des trucs, machin. Non, c'est pourquoi à un moment donné, tu dises que oui. Vraiment, merci beaucoup. Oh, mais c'est rien, tu sais, écoute, c'est rien. Bon, écoute, elle attend, son pied bouge, elle attend que tu lui dises, on fait comment? Ben, moi, je devenais aveugle, en fait. Je ne vois rien. C'est vrai, Nadine, je vous dis, voici les femmes qui sont en train d'avouer. Voici les femmes qui avouent. Je connais vos secrets.
Je connais vos secrets. Je sais comment Dieu m'a enseigné les trucs des femmes. Bon, c'est parce que dans le passé, je connaissais aussi des femmes. Oui. C'est après que je me suis rendu compte que, oh, en fait, quand elle me disait ceci, c'est qu'elle me voulait. Oh, quand elle me disait ceci, c'est qu'elle me voulait. Oh! Une fois, j'ai dit, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas, pourquoi tu m'as donné la révélation? C'est quand j'étais encore jeune, homme, vous avez venu arriver au Mozambique. Pourquoi tu m'as donné la révélation aussi? Et c'est elle qui s'est donné ça, tu allais te retrouver dans les problèmes. C'est maintenant que je te donne ces révélations, oui. Quand une femme te veut, elle tourne autour de toi. Elle fait des cercles. Elle tourne. En fait, tu la vois beaucoup dans l'environnement. Elle ne te dit pas qu'elle te veut, mais tu vois sa présence. Il faut que tu sentes son odeur. Hein, les hommes qui ont peur d'aborder. Hein? Les hommes sont perdus. Hein? La goutte. Mon frère, je fais une parenthèse. Au lycée, j'avais une fille comme ça. Je n'ai pas dit son nom ici. Elle m'a aimé pendant un an. Pendant un an, elle m'a aimé. Et je marchais avec elle, on était en groupe là. Et je l'aimais. Mais bon, tu es là, tu es timide, tu es frêle, tu n'as pas d'argent, tu es là, tu as peur. Mon frère, en fin d'année, je m'en vais prendre mon bulletin à l'école et je suis au niveau de la direction, direction du lycée, lycée d'Élix au nom. Qui je vois, je la vois, on est deux dans tout le lycée. Deux. Et là, on cause bien. Et c'est parce qu'il me prend. Bon, quelque chose me dit, non, c'est pas quelque chose, c'est moi. Dis-lui, dis-lui. C'est pas le Seigneur, attention. Je lui dis, je prends mon courage parce qu'on est seul. Je lui dis, ben écoute, voilà, bon. J'ai bien aimé l'année qu'on a passée ensemble, je te trouve bien. Voilà, bon, écoute, tu l'as fait un peu rire. Tu vois, voilà, mais toi, bon, je sais pas, tu habites dans le quartier déjà, machin, tu vois. Tu essaies un peu de lâcher un truc, après, vois bien que je suis la drague. Elle te dit, voilà, c'est dommage. Moi, elle est en train d'aller en France. Elle me dit, bah, c'est dommage. C'est dommage, en fait. Je dis, mais dommage, pourquoi? Elle me dit, ben voilà, ça fait un an que je t'attends. Un an. Là, maintenant, je suis en train d'aller en France, on va faire comment? Je t'ai aimé toute l'année. J'ai dit, mais comment ça? Elle me dit, chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais des longues feuilles comme ça. J'avais des longues feuilles, des formats A4. Et je faisais le rapport de ta journée, de ce que j'avais vécu avec toi. Chaque jour, j'écrivais, William a fait ceci. William a rigolé à la pause. William a dit ceci. J'ai dit, hé, le mougou. Le mougou, mon frère. Mais Dieu est sage. Il n'a pas voulu que je me pète. Oui. Il n'a pas voulu. Elle me scrute. Oui. Elle attendait seulement que je lui dise. Mais si maintenant j'étais tombé amoureux, si j'allais aller étudier, mon frère. Est-ce que le gars allait étudier? C'est ça la question. That is the question. Point d'interrogation. C'est ça la question. Est-ce que j'allais donc étudier? Faut voir. Donc le Seigneur nous gère. C'est comme ça que je suis allé quand j'étais au Mozambique. Chaque fois que je voulais m'attacher à une fille, le Seigneur venait, il gâtait. J'ai aimé une fille au Mozambique. Mais sérieusement, quand mon père est mort, je suis rentré au Cameroun pour faire l'enterrement. Et en même temps, je devais aller aux États-Unis. Et on s'est aimé. D'accord? J'ai raconté ça dans une autre vidéo. Et quand je reviens au Mozambique, je n'ai pas eu de visa des États-Unis. Je reviens au Mozambique, je me dis, je m'en vais retrouver Mago, tranquille. Il y a quoi? Ma vie, la retrouver, il y a quoi? Hein? Son père était ingénieur en mécanique. Il reparait des 4x4. Ils avaient un grand garage. Et c'était, sa mère était très accueillante. Gars, quand j'arrivais là-bas, c'était les trucs. Ben, on me présente à la famille, sa soeur m'aime bien, machin, me fait des pizzas en cours. C'est elle qui m'enseignait le portugais en partie. Mon frère, quand je reviens au Mozambique, gars, je dépose ma valise, je dis que gars, je vais aller la voir, mon frère. Le lendemain, je suis impatient. Gars, je m'en vais sonner au portail. D'abord, j'appelle. Elle ne décroche pas, mon frère. J'arrive au Mozambique, je mets ma puce, je s'appelle, elle ne décroche pas. Je dis OK. J'envoie les messages. Elle ne décroche pas. Je dis, bon, là, ça devient sérieux. Peut-être elle est fâchée contre moi. Mince. Je m'en vais chez elle. Et je sais qu'à l'époque, je sais qu'ils avaient l'interphone, le visiophone.
Je sonne au portail, personne n'ouvre. Je sonne, je sonne, je sonne. Je sens qu'il y a les gens dedans. Je connaissais la maison. Il y a les gens à l'intérieur. Et là, je rentre. Car elle m'a ignoré. Elle m'a ghosté. Le ghosting de ça. C'est-à-dire le haut niveau du ghosting. Un ghosting, je ne sais pas. Mais c'était un ghosting céleste. C'est après que je vais découvrir un ghosting céleste, en fait. J'arrive, je reviens dans ma vidéo. Un ghosting céleste. D'accord? C'est plus tard que je la rencontre dans la rue, peut-être 6 mois ou 7 mois plus tard, je la rencontre. On se salue juste et elle s'en va. Je sentais qu'elle ne voulait plus de moi, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait tellement, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Tu vois, quand une personne te quitte, elle ne t'explique pas, en fait. Une autre fois, je marchais dans mon quartier, je la vois, elle était avec ses frères. Elle était assise dans le 4x4 avec ses frères. Elle me voit passer, elle ne dit, elle ne bouge pas. Mince, un ghosting, t'as dit que ça m'a troublé. C'est maintenant, plusieurs années après, quand je suis en France, avant de me marier, je reçois son mail. Elle me dit, elle m'écrit un mail pour me demander pardon. Quand elle parlait anglais et portugais, elle me dit, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. C'est là qu'elle m'explique en fait pourquoi est-ce qu'elle m'avait fait ça. Elle me dit, quand j'étais parti au Cameroun, on avait l'impression que je ne reviendrais plus jamais. Donc, elle m'avait déjà, elle ne voulait plus souffrir. Bref. Mais après, quand j'ai compris la destinée, j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je m'attache à elle, en fait. Le Seigneur ne voulait pas que je m'attache. Donc, quand je suis revenu, après avoir enterré mon père, j'avais déjà l'appartement, j'habitais seul, donc je voulais... Quand tu arrives, tu dis que, gars, tu vas vivre avec ta go, machin, tu vas faire tes trucs. Gars, le Seigneur dit que à l'heure-ci, je connais l'enfant-ci. Hein? Il aime bien qu'on prenne soin de lui, il aime bien, voilà. Moi, j'aime bien ça, en fait, avec ma mère. J'ai beaucoup aimé ça avec ma mère. J'aime bien les femmes qui sont un peu maternelles, là, qui, les femmes qui, voilà, qui te... Tu as dit, avec elle, elle prend soin de toi, elle te fait à manger, elle te parle bien. J'aime ça, en fait. Et elle était comme ça. Vraiment le respect, machin. Aujourd'hui, elle est mariée. Franchement, elle est bien bénie. Mais je voulais revivre cette expérience avec elle, en fait. Mon Dieu. La porte, la fermeture de la porte, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, mon frère. Et parfois, ça vous arrive dans votre destinée. Il y a des relations comme ça qui vous écorchent, mais Dieu détruit ça. Parce qu'il sait que ton âme, le Seigneur ne peut rien faire contre ton âme si ton âme est attachée. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Maintenant, pour me consoler de ça, il m'amène maintenant une dame, une prophétesse. Et j'en parle dans un de mes livres. Elle m'amène une prophétesse qui est aux États-Unis, camerounaise, qui me donne une prophétie sur mon avenir. Elle me dit, écoute, tu vas réussir ta vie. Tu vas aller dans les nations, tu vas faire des grandes choses. Et Dieu me montre, elle voyait, Dieu me montre comment tu as été écorché et écœuré sur le plan sentimental. Mais Dieu va t'amener une femme qui va t'aimer. Vous comprenez? Et Dieu savait. Donc, regardez, Dieu sait quand on a mal au cœur. Il sait ça. Le Seigneur sait. Il sait. Il sait que telle relation, ce n'est pas bon pour toi. Donc, il y a parfois... je sens ça de façon prophétique pour toi, pour quelqu'un ici. Ne sois pas affligé parce que telle relation va marcher. Peut-être tu es allé jusqu'au... Ce que je ressens là, il y a une personne, tu es allé jusqu'au mariage, jusqu'à quelques pas de mariage, en fait, tout a été détruit. D'accord? Un gars t'a promis les choses, il ne t'a pas épousé, en fait. C'est pas grave. Je décrète et je déclare maintenant que l'onction de restauration touche ton âme, que Dieu te guérisse entièrement, esprit coréen. Que Dieu vienne enlever les fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Que Dieu te guérisse totalement. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur toi. Et que tes pleurs se transforment en joie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà. Vous comprenez? Et donc, je continue. C'était une parenthèse. Je continue mon message. Voilà, il fallait que je dise ça. Voilà. Donc, il dit... Oui, parce qu'il y a des gens qui sont, ils sont bloqués dans leur vie. Bloqués. Tu n'arrives même pas à lui parler. Tu sois les versets, elle ne comprend rien. Il y a des femmes comme ça, c'est compliqué. Tu lui donnes les versets, rien ne marche. S'il n'y a que Dieu qui peut la consoler. Hein, il y a des femmes qui ont pris des crédits pour des hommes. Des femmes qui ont mis leur famille à dos pour des hommes. Elles ont mis leur famille à dos. On lui disait que ce n'est pas bon. Elle a insisté. Maintenant, elle pleure tous les jours. Qu'est-ce que tu vas lui dire, en fait? Si ce n'est pas une parole qui vient du trône de Dieu pour la consoler,
Tu vas lui dire quoi? Tu ne peux rien lui dire, en fait. Donc, tantôt dans la rue, tantôt dans la rue, ça c'est le verset 12, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets, elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis et de fils d'Égypte. Vous voyez, voilà. Elle dit qu'elle devait faire un sacrifice d'action de grâce. Elle devait faire un sacrifice. Et en fait, c'est toi la chèvre. C'est toi la chèvre. Oui, on sacrifie sur un hôtel, non. On sacrifie quoi, les animaux, on sacrifie quoi. Il fallait faire un sacrifice. Il fallait faire un sacrifice. C'est toi qu'on a choisi, mon frère. Tu es la chèvre. Donc, tu es là, tu peux penser que tu es trop fort, tu es trop bien, mais tu es la chèvre. Écris là, si tu es un homme. Écris là, si tu es un homme. Je ne suis pas la chèvre de quelqu'un. Je ne suis pas la chèvre de quelqu'un. Oui, tu es la chèvre. Je ne suis pas la chèvre de quelqu'un. Oui. Oui. Elle dit bien. Donc, quand c'est pas... Il y a de ces gens-là, quand ils sortent pour chercher le sexe, hein, parfois, c'est pour faire des rituels bizarres, des rituels. On dit non, il faut un jeune gars. Bien beau, grand de taille. Beau de taille, beau de figure. S'exprimant bien, avec un charisme. Ah, c'est lui qu'on veut. Elle vient. Hein? Je sais qu'elle devait faire sacrifice à qui. Hein? C'est ça la question. Sacrifice d'action de grâce, devait faire ça. Je sais pas, je pense que ce soit à Dieu. Hein? C'est toi la chèvre, mon frère. Tu es la chèvre. Dis à quelqu'un, je ne suis pas la chèvre. Hein? Je ne suis pas la chèvre de quelqu'un. Oui, les hommes, dites ça, je ne suis pas la chèvre de quelqu'un. Je ne suis pas la chèvre. Il y a des hommes, vous. Les hommes, vous pensez que vous êtes seulement trop beau. Quand tu vois quelqu'un qui s'investit en toi, quand te donne, je me souviens une fois, j'étais au quartier Bounamou Sadiad, voilà. Je suis en train de monter avec un de mes cousins. Je vois une dame dans un 4x4. Une dame métisse dans un 4x4. Elle a garé, elle a les lunettes noires. Et je vois un jeune gars qui sort du quartier. Il arrive à petit jean. Il avance et il avance. Il entre, il fait une bise. Il dit, oh mon Dieu. Il dit, oh mon Dieu. Elle va prendre de ta vigueur, tes jeunes années. C'est pareil pour les femmes. Il y a des hommes pour pratiquer. Ils ont besoin de prendre votre vigueur. Chacun de nous a une grâce. Tu as peut-être la grâce de devenir une grande romancière, une grande écrivaine, une grande, cuisinière, une grande journaliste. Tu as cette grâce à se voir, ça. Ça, tu as la faveur. Et un jour, tu commences à attirer des hommes mariés. Et après, tu sors avec un, tu couches avec un. Tu t'étonnes que c'est comme si tu deviens bête. Ton discernement est perturbé. Tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu comprends plus ce qui t'arrive. Tu ne comprends plus. Tu es la chèvre. Tu as été sacrifié sur un autel. De l'argent. Ces gens-là, parfois, ils veulent accéder à des hautes fonctions. Ils veulent être président, ils veulent être ministre. Hein? On leur demande les sacrifices. On veut une jeune fille de 16 ans. Une jeune fille qui n'a pas connu beaucoup d'hommes ou qui est vierge. Une jeune fille de 16 ans. Pourquoi 16 ans? Pourquoi 17 ans? Une jeune fille de 18 ans. Pourquoi? Elle a encore toute toute sa beauté, sa jeunesse, elle est encore pleine de sa beauté, remplie de gloire. Oui, parce que, faut savoir ça, le sexe te fait perdre tes grâces, le sexe. Oui, tu perds de l'énergie, en fait. Faut que je vous dise la vérité, vous devez fermer vos jambes, les femmes. Ne regardez pas ces fils qui balancent leur corps tout le temps là. Vous devez fermer vos jambes. Fermez vos jambes. Vous devez fermer vos jambes. Fermez vos jambes. D'accord? Merci Joseph. Tu vois? Maintenant, elle va dire quoi? Et vous allez voir. Maintenant, et ce texte-ci, en fait, il est. Le texte ici est assez stratégique. Pourquoi? Parce que, en même temps, ce texte-ci te montre comment faire. D'accord? Comment faire pour traiter un homme? Comment faire pour émerveiller, éblouir un homme?
À la fois, ce texte-ci est dangereux parce qu'il s'agit, en fait d'une stratégie d'une femme étrangère, d'une femme dangereuse. Mais en même temps, dans ce texte, en fait, il y a les ingrédients qu'une femme peut mettre en place pour que son mari l'aime. Oui. Voilà ça. J'ai parfumé ma couche de myrrhe et d'aloès et de cinnamone. Hein? Cinnamone. Et du sien, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Quel voyage lointain? Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres. Toujours les lèvres. Ouais, Salomon. Il y a quoi sur les lèvres des femmes? Les lèvres roses. Les lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou. Aïe! Ouli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 l
Elles n'ont pas. Certaines sont là, elles sont errantes de soi, elles pleurent seules. Je sais de quoi je parle. Donc, j'en coach, je connais, je coach certaines, je parle avec certaines. En fait, elles sont là, vous les voyez dans les grosses voitures. Elles n'ont personne qui partage leur vie. Soit parce qu'elles ont placé la barre trop haute, soit parce qu'elles intimident des hommes, soit parce qu'elles écoutent. Et parfois, quand elles ont l'occasion d'être avec un gars, bah, écoute, c'est juste pour s'amuser, voilà. Vous comprenez? Donc, voilà jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où ça peut aller, en fait. Il y a un passage biblique qui dit même que « Bois les eaux de ta propre citerne. Ne livre pas tes eaux sur les places publiques. » Vous comprenez? En général, vous devez vous méfier quand... moi, j'étais assis une fois dans un restaurant. C'est qu'au Cameroun, la plupart des activités, c'est des restaurants. Je suis dans un quartier résidentiel, il y a des restaurants chics partout. Je suis assis là, j'étais avec une de mes talentueuses qui travaillait là-bas. Donc, je suis allé la voir, machin, truc. Après, elle m'a servi à boire. Et j'attendais quelqu'un. Et il y a une dame assise en face de moi, elle est en train de fumer, elle avait ses potes. Elle commence à me regarder net, comme ça, pour m'intimider les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon ordinateur, je me suis tourné, je lui ai donné le don, en fait, pour commencer à travailler. Elles sont là partout souvent. Et la tentation pour toi, c'est souvent de te dire, tiens, je vais la draguer, je vais. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que aspirer à sortir avec quelqu'un pour le mariage. Merci, Joseph. Aspirer à sortir avec quelqu'un pour le mariage. Aspirer à sortir avec une personne en vue de vous marier. Est-ce que vous savez qu'avant, le machin n'existait pas? Le dating, ça n'existait pas, en fait. Il n'y avait pas les histoires de sortir ensemble. Il n'y avait pas de copinage avant. Il n'y avait pas ça, en fait, avant. Il n'y avait pas ça. D'accord? Oui? Quand tu rencontrais une personne, c'était dans le but de voir si vous êtes compatible ou vous mariez. Pas les compatibilités sexuelles. Hein. C'est genre, vous rencontrez, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça match? Est-ce que rapidement... Allez, on fait quand on se prépare pour le mariage ou que je ne veux pas, machin. Mais aujourd'hui, hein, qu'est-ce que les gens font, les hommes font? Et ça, ça doit être un red flag dans votre vie. Ça doit être un drapeau rouge, en fait. Un élément déclencheur de votre suspicion. Quand un homme est avec toi et sa première pensée, ce n'est pas de t'épouser, gars. Ça va être difficile pour lui de t'épouser. Ça va être « it's gonna be hard ». Parce qu'en général... Quelle est la preuve qu'un homme a rencontré la femme qu'il veut? Il veut tout de suite épouser. Quand j'ai rencontré ma femme, je voulais tout de suite l'épouser. Tout de suite. Je voulais même pas perdre. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'un autre gars vienne la prendre. Je voulais tout de suite. Et un jour, j'étais en plein à Châtelet, à la rue Rambuteau, à Paris, à la librairie CLC. Je marche avec elle. Je commence à lui parler du mariage. Elle me dit non, c'est comment? Et on tombe sur un livre du passé devant Cassano. Vous pensez mariage? Comment faire le bon choix? On est net devant le rayon là, devant le livre du passé Ivan Castanou. Je dis, ah ah, voilà ça, tu vas encore parler quoi? Tu veux encore dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Hein? Est-ce un hasard que on soit à cette heure-ci, hein? Ça c'est quand j'étais encore superstitieux, on soit à cette heure-ci, à Paris, dans les bibliothèques chrétiennes, et comme par hasard, devant le rayon relation et sur le livre sur le mariage, toi aussi, come on. Hein? Hein? Ne serait-ce pas des signes annonciateurs de quelque chose qui a été scellé depuis le ciel? Hein? Pourquoi tu veux compliquer? Et tu vois qu'un homme, il aime une femme, il la convainc, il utilise tous les arguments. Pourquoi tu veux compliquer? Mais il ne comprend pas la psychologie de la femme. Les femmes ne sont pas comme ça. Je vais vous donner un secret, les hommes qui veulent le secret. Plus tu lui demandes, moins elle veut. Laisse la femme venir à toi. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, laisse-la, c'est elle qui va te demander en fait. Laisse-la, tu verras. Laisse-la, c'est elle qui te demandera. Laisse-la, c'est elle. Parce que tout le temps, je l'embêtais avec ça. Elle peut vous dire, tout le temps, je parlais du mari. Elle dit, ah non, laisse-moi, elle sait quoi. Parce que moi, je me suis dit, c'était la personne. Quand un homme rencontre sa femme, il ne veut pas la laisser. Les hommes qui disent que oui, attends d'abord. Oui, bon, hein, c'est comment tu épouses alors notre fille, notre soeur quand? Ouais, bon, je...
si peut-être à Dieu, bon, d'ici juin 2029, ça devrait être bon, hein, ça devrait être bon. Il va rien faire, mon frère. Il est sérieux, hein, il dit que non, dans mes prévisions, je pense que d'ici une bonne dizaine d'années, ça devrait le faire. Hein. Voilà. C'est mariage maintenant, c'est dur, hein. C'est pas évident, donc il faut bien se préparer. C'est quand même, hein, c'est une décision quand même importante. Hein. Ça ne se prend pas à la légère. Okay, donc il faut. Laissez-moi le temps de. Voilà. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il te travaille. Hein? Et tu vois, les femmes sont là tristes. Tout le temps. Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Pourquoi tu ne m'épouses pas? Pourquoi tu m'épouses? Quand tu te retrouves déjà en train de demander ça à un gars tout le temps. Le gars n'avait pas l'intention de t'épouser, mon frère. Je demi tu prends racine jusqu'à là. Bonjour, j'ai une question. Est-ce possible d'avoir des liens d'âme avec quelqu'un, même quand tu n'as jamais eu de rapport sexuel? Ah oui, bien sûr. Garde-moi la question jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer. Mon frère, ce n'est pas seulement le sexe. Hein. Voilà. Oui. Non, d'ici 2029, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous embrouillez? Mais pourquoi vous. C'est quoi vous. Pourquoi vous ramenez toujours ce sujet? Buvez quelque chose, buvez. Mais on est là, vous venez casser l'ambiance et l'effet du mariage. Je crois que c'est une décision facile à prendre. Attends, on est ensemble, on est dans la famille, non? Vous voulez quoi? Ne pas, je vous donne l'argent souvent. Ça, c'est souvent dans les familles où il y a la pauvreté. Le gars vous nourrit. Il vous nourrit. Oui. Donc, il décide. Aucune pression. Vous mettez la pression, il fuit avec l'argent. Il fuit avec l'argent. Mettez la pression, tu épouses notre soeur quand on te donne du matin, il dit OK. On va donc voir. Il n'envoie plus les Orange Money. Oui, le reste, le live va rester en ligne. On n'envoie plus les Orange Money. C'est là qu'il dit, ah non, mon beau, on rigolait seulement. Non, c'est que tu es le bon. Mon beau, beau, oh mon beau. Hein. Buvons-nous seulement. En tout cas, ça va aller. Hein. Ça va aller, ma soeur. Ça va aller. Ça va aller, Alicia. Ça va aller. Il va seulement t'épouser. On est ensemble, c'est la famille. Mais oui, c'est comme ça. Quand un gars t'aime, là, il quand un gars t'aime, il ne veut pas. Il ne veut pas. Moi, quand je la vois, il dit, oh mon Dieu. En plus, quand on marchait partout, les hommes la regardaient. Il dit, hé, faut même pas jouer ici. Hein? Oui, pourquoi vous mettez la pression? Alors qu'il n'a pas la pression. Il a quelle pression? Mon frère, il y a même d'autres filles, il y a aussi d'autres femmes même. Elle se dit, voilà un autre truc que je vais vous donner une révélation aussi. Oui, le mot des mots, le mot plaisir, plaisir, plaisir. La pauvreté n'est pas bien. Hein? Je voulais dire quoi là? Je voulais dire un truc. Oh là là, j'aurais pas dû. Après, ça va revenir. Oui, pourquoi vous mettez la pression? Pourquoi vous mettez la pression? Non, 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 c'est non. Non, mais attends, c'est pas facile. Hein? La vie est dure. Hein? Voilà. Il y a des filles maintenant. Sa mère, le Saint-Esprit me ramène ça. Regardez. Il y a des filles qui utilisent la chasteté. D'accord? Comme moyen de pression. Ce n'est pas suffisant. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Laissez-moi vous expliquer. Pas parce que tu refuses le sexe à un homme, d'accord? Que tout de suite, en fait, il va courir à t'épouser. Si ce n'est pas l'homme de ta vie. Vous savez ce que certains hommes font? Tu fais ça, tu ne couches pas avec lui là. Tu fais la règle des 90 jours, la règle des 6 mois, tu ne couches pas, tu refuses de faire ça parce que tu sais que quand tu lui refuses comme ça, il va venir maintenant t'épouser pour ça. Il y a des gars, tu lui fais ça, ils sont avec d'autres filles en attendant. Tu fais comment? Il y a des gars qui font ça. Oui. Ils sont avec d'autres filles en attendant jusqu'au jour où il va coucher avec toi, après il va te laisser. Puisqu'il y a des hommes qui sont allés même jusqu'à donner des dots même, aller voir la famille. Les gars font ça ici. Il y a des gars, tu fais ça, ils disent, ah! Elle veut jouer la carte de la religieuse, ok? Ouh, ok, bon, écoute. Bon, on va aller à l'église avec elle, hein, on va aller adorer. Hein? Il arrive à l'église, hein? Tu es saint. Are you love God Almighty? Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Amen. Hein? You are holy, holy. Are you love God? Almighty, what is a lamb? What is a lamb, Lord? What is a lamb? Amen. Tu dis, oh, le gars est gagné à Christ. Ah, le gars est gagné à Christ.
Il sème, il donne les offrandes. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. C'est-à-dire que l'ancien te prend. Il dit que bah, si l'homme, alors je l'ai alors mis par terre. Je l'ai mis par terre. Le gars est par terre. Le mari a été allé, mes copines. Donc, mon frère, un gars qui craint le Seigneur, ne tente même pas. Oui. Hein? Te lever du soleil. Hein? Hein? Je veux la Shekina. Je vois la Shekina, la Shekina, la Shekina. Le gars danse. Et il danse des anciens, pas des anciens, des bringers. C'est pas des anciens, en fait, c'est un bringer masqué. Un bringer masqué. Hein? Hein? Je veux la Shekina. Je veux la Shekina. Du lever du soleil. Tu dis que mon Dieu, Seigneur, tu m'as visité cette année. Tu m'as visité. C'est là que tu sors le mouchoir. Tu adores Dieu. Tu fais des gestes prophétiques. Tu fais comme les 24 vieillards. Tu enlèves ta couronne, tu jettes ta tête, tu te roules, tu danses, tu dis que oh, dans ton cœur. Les gens ne comprennent pas. Les gens se disent que tu es à fond. Tu es en train de voir ton mariage. Hein? La Shekina. Je veux la Shekina. Le gars est en train de te mentaliser à un niveau, c'est-à-dire qu'il te mentalise. Et comme Dieu est bon, la nuit. La Bible dit que lorsque Dieu parle tantôt, de manière tantôt d'une autre homme, pendant qu'ils sont dans leur couche, il les prévient des malheurs. Il leur donne des avertissements. Toi, tu vois, la nuit, c'est un bandit. Mais ça vient contredire ce que tu as vu en journée à la veillée, à l'église. Le gars fait les gestes, il est mince. Tu dis que non. Le problème, c'est quoi? C'est que lui, il a décidé. C'est seulement ce que certains hommes font, en fait. Quand vous voyez des hommes dépenser des millions juste pour coucher avec moi, c'est ça qu'il dit, les femmes, vous devez comprendre ce que vous avez entre les jambes. Vous devez comprendre ça, c'est un mystère. C'est un mystère que vous devez comprendre. Oui, je vous dis la vérité. Moi le Seigneur m'utilise pour libérer les messages dans la comédie, en fait. Ces choses qui arrivent là, c'est le Seigneur qui met les mains dans le cœur. C'est pour vous montrer, je vous montre les schémas. Parce que vous pensez souvent que prêcher la parole, c'est seulement être trop austère. Non. Je sais comment les gars font. Oui. Moi, je connais qu'un gars avait jonglé une fille. Le gars utilise tes armes. Il voit que tu pries beaucoup. Tu veux l'amener sur le chemin de la Bible. Que c'est la... Le gars va devenir un lecteur, mon frère. Hein? Ah, l'interprète du pasteur, le saint de l'église, a dévié une fille qu'il a fini par épouser. Après le premier enfant, le gars a quitté la maison pour une autre femme dans lui. Et quelqu'un disait l'autre jour que au début, tu savais, mais tu ne voulais pas croire. Tu savais, mais tu ne voulais pas croire, en fait. Pourquoi? Parce que tellement tu voulais. Et il y a des gars qui attendent. Pendant qu'il attend, là, tu te dis que non, le gars se préserve. Il ne se préserve pas. Il ne se préserve pas. Il y a des gars, tu dis que tu es chaste, non? Que vous voulez manger la sainte. Il dit, ok. Il voit ton corps, il dit, un jour, je vais manger, je vais la manger. Excusez-moi, c'est comme ça que les gars font. Mais entre-temps, il a des besoins, non? Il n'a pas encore, il n'est pas transformé, c'est un bandit. Mais il cache son jeu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a une ou deux, trois goûts avec qui il va faire ces choses. C'est pourquoi maintenant, comment vous allez déjouer ça? C'est le Seigneur qui vous parle. Il te montre. Non, ce n'est pas qu'il veut détruire, c'est que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc, s'il voit ton corps, il veut te connaître sexuellement. Il est prêt. Regarde, les hommes dépensent des millions de dollars pour coucher avec des filles. Vous ne comprenez pas ça? Vous voyez, à un moment donné, à l'église, en fait, on est trop dans nos trucs chrétiens, là, qu'on oublie la psychologie, on oublie les réalités, en fait. Sinon, pourquoi certains hommes deviennent bizarres quand ils sont mariés? Pourquoi ils deviennent bizarres? Leur cœur n'était pas initialement attaché au Seigneur. Ils n'étaient pas attachés. Ils étaient comme ça.
Et donc, souvent, le Seigneur va te montrer. Oui. Moi, je vous ai raconté l'histoire d'une Française que j'avais rencontrée à Paris. Je l'ai rencontrée dans une fête chez les cousins. Et elle s'appelait aussi Joanna, comme ma femme. Je vous ai dit, l'année où j'ai rencontré ma femme Joanna, j'avais rencontré deux Joanna. Je vais parler juste de la première Joanna. La première Joanna, je l'ai rencontrée dans une fête. Une franco-caucasienne française, très sympa. Franchement, on s'est vu, le courant est vite passé. Elle me souriait, je souriais, ok. Elle m'a vite donné son numéro de téléphone, mais tellement vite. Quelques jours après, on s'appelait, le lendemain, on s'appelait déjà, on se voyait déjà, en fait. Mon Dieu. Un jour, on va au cinéma, et je rentre, d'accord? Je rentre chez moi après la soirée. On a mangé, après on est allé au cinéma. Donc je rentre et ce soir-là, avant de me coucher, j'habitais encore dans le 18e arrondissement, à Max Dormoy, métro Max Dormoy, à la rue Pajol. Voilà. Donc, je rentre et avant de me coucher, non, je me couche, voilà. Mais avant de me coucher, j'avais la sensation qu'il fallait que je demande à Dieu qui est-ce qu'elle est. Je dors. Et je me réveille vers 2h du matin, comme ça, je vais aller faire pipi. Et quand je fais pipi, la pensée revient encore. Prie pour me demander qui elle est. Voilà ce que le Seigneur fait. Écoutez, parfois, le Seigneur va insister pour que vous priez pour une situation. C'est pour vous révéler quelque chose, en fait. Donc, je viens m'asseoir sur le canapé. Je m'assois au salon. Je commence à prier. Il dit, Seigneur, dis-moi, qui est-ce qu'elle est? Qui est-ce qu'elle est, Seigneur? Est-ce que je ne me suis pas en train de me perdre? Dis-moi, Seigneur. Tout semblait être beau, en fait. Et donc, je vais me coucher. Et donc, quand je sors de... Je fais un rêve où je suis dans une rue. Donc, quand je vais me coucher comme ça, peut-être 10 minutes... Non, pas 10 minutes. 3 minutes après, quand Dieu veut te parler, 3 minutes après, je fais un songe. Je suis dans une rue. Je sors dans une rue. Je vois des beaux petits chiens. Un beau petit chien. Un beau petit chien tout mignon. Il commence à aboyer et je viens vers lui. Je le prends dans mes bras. On se fait des câlins. Je le caresse. Il est content. 3 jours après, toujours dans le rêve. Hein, 3 jours. Le rêve était divisé en 3 temps. Le 2e jour, je reviens. Le même chien que je vois qui était gentil avec moi, quand je le prends pour le caresser, il me mord. Il me mord aussi bien que je sens la morsure du chien dans mon sommeil. Maintenant, 3e étape du rêve, je suis au pied d'une montagne. Ceux qui me connaissent connaissent ce rêve. J'étais au pied d'une montagne, en fait. Et je devais monter, arriver au sommet. Et donc, je vois des jeunes qui passent. Ils arrivent à monter. Je vois des mamans qui passent, des jeunes filles. Je vois des vieillards avec des bâtons qui manquaient de vigueur, de force. Mais ils arrivaient à passer, ils arrivaient à arriver au sommet. Et moi, j'étais là, je n'arrivais pas à avancer. C'est comme si on avait vissé mes pieds au sol. D'accord? Comme si on avait vissé mes pieds au sol. Je ne pouvais pas bouger. Et là, je me débats jusqu'à ce que je me réveille. Je me réveille comme ça, transpirant. Et je m'assois. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et là, la parole de l'Éternel me vient, en fait. L'interprétation. Parce que moi, j'ai ce don. Moi, j'ai ce don-là d'interpréter les rêves, tout ça. Bon, c'est un truc que Dieu m'a donné quand je suis devenu chrétien. Et il me dit que le chien, d'abord dans la Bible, le chien représente quoi? Le chien représente le... Quand on parle du chien de la Bible, on dit le chien qui retourne dans ce qu'il avait vomi. Le chien retourne dans ce qu'il avait vomi, en fait. D'accord? Le chien représente aussi le péché. Le péché est tapis à ta porte. Voilà, c'est un peu cet exemple. En fait. Le chien représente aussi la sorcellerie, quelque chose qui vient t'attaquer. D'accord? Maintenant, le chien prend aussi l'interprétation du rêve sur le chien, prend la forme de l'attitude du chien dans ton songe, en fait. D'accord? Mais dans les deux songes, en fait, elle était d'abord gentille, après elle était méchante. Et le Seigneur me dit, ce jour-là, c'était peut-être à... Je me suis réveillé brusquement du rêve, à 3 heures.
Il me dit, cette dame avec qui tu es là, cette Joanna là, c'est une femme. Au début, elle sera douce avec toi. Elle sera très douce avec toi. D'accord? Vous allez vous aimer, tout ça. Mais après, elle va devenir un chien qui va te croquer, en fait. Voilà. Elle va te croquer. Allez voir la prédication du prophète Tatou sur la signification des chiens. Allez voir ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Vinicia. Aussi la prostitution. Elle va te croquer. Justement, elle va même croquer. Maintenant, le rêve où je vois les gens qui montent sur la colline, en fait, c'est le rêve de quoi? C'est la destinée. Et moi, j'étais censé enseigner la destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais été long avec cette personne-là, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous enseigner sur la destinée. Je ne serais pas aujourd'hui en train de commencer une tournée mondiale, le talent, tout. Je ne serais pas en train de faire tout ça, en fait. D'accord? Tout ça à cause de quoi? Du sexe. Vous comprenez? Oui. Il y avait la mauvaise personne. Donc. La montagne, là, je vois, et Dieu m'a montré que tout le monde allait dans sa destinée, même des vieillards, des mamans, des jeunes, des vieillards, même des personnes avaient leur bâton, les gens qui étaient qui avaient une mobilité réduite, ils allaient à accomplir leur destinée. Et moi, pas moi. À cause de quoi? À cause de ces chiens qui étaient d'abord gentils au début, après qu'ils me croient. Combien de gens sont dans cette situation? Combien de gens ont rencontré un chien gentil après qu'il les a croqués? Combien de filles ont rencontré des chiens qu'ils ont croqués? Combien? Dieu te montre toujours maintenant, si tu ne veux pas accepter, c'est ton problème. That's your business. Moi, je viens juste te parler aujourd'hui. Je viens te parler. That's non, non, moi, j'ai fait mon truc. Moi, je me suis marié. J'ai fait mon truc. Je suis à passer par là. Moi, je viens seulement te dire. En fait. Ne dis pas que je n'ai pas dit. Ah, coach, il faut laisser ça. Tu es à marier. Tu veux nous empêcher d'être joie. OK. Ah, écoute, est-ce que c'est alors facile de trouver le genre de gars là? Il a une bonne situation, il s'occupe bien de ma famille, machin. Ok, c'est ton problème. Je me souviens d'une dame que je côtoyais. Elle insistait pour se mettre avec un gars et on a prié. Elle n'avait pas trop la paix, mais elle insistait toujours. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'on ait prié, elle est rentrée chez elle. Le Seigneur lui a montré une chose. Le Seigneur lui a montré que cet homme-là que tu veux avoir là, tu finiras par l'épouser. En fait, elle a fait un 100 jours. Elle finissait par épouser l'homme. Mais la mère de l'homme avait une telle emprise sur lui qu'il n'avait jamais le temps d'être l'homme. C'est elle qui décidait tout dans la vie de la fille. Elle était malheureuse. Elle est venue me raconter le rêve. Je lui ai dit, écoute, ton rêve est simple. Écoute, Dieu ne conteste pas avec les êtres humains. Tu vas forcer. Dieu a donné à l'homme la capacité de réaliser tout ce qu'il veut en fait. La capacité, tu insistes, tu vas réaliser. Tu insistes dans le péché, tu vas devenir fort dans le péché. Tu insistes dans ta voix, tu deviens fort dans ça. Mais il te dit que tu vas réussir à te marier, comme beaucoup de gens, de femmes font, non? On te dit que ce n'est pas ton mari. Tu forces. Mais Dieu, est-ce que Dieu va combattre avec toi, mon frère? Tu forces. Non, c'est, non, il y a l'argent. Non. Tu forces. Dieu va seulement sortir, il te laisse. OK. Tu vas te marier. Mais Dieu t'a montré que tu serais une femme mariée, mais malheureuse. Il n'y aura jamais de temps. Et imagine maintenant, quel est le poids de l'humiliation d'une femme dans le foyer dirigé par sa belle-mère? Can you stand it? Will you be able to stand it? Est-ce que tu vas pouvoir supporter ça sur les années? Elle m'a dit, coach William, je ne peux pas. Je lui ai dit, tu es sûr? Elle me dit, je ne peux pas. Je me connais. Je dis, écoute, Dieu t'a parlé, tu fais ce que tu veux. Il y a des femmes comme ça, je crois qu'elle ne s'est pas mariée, Il y a des femmes comme ça, tu lui parles, elle ne comprend pas, elle ne veut pas entendre. Il faut à tout prix qu'elle se marie. Non, gars, laisse vos histoires, tu es à marier, c'est quoi? Tu veux nous empêcher d'enjoy? Oui. Mais le Seigneur connaît, la Bible dit quoi? Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Moi, j'ai prié pendant un mois, peut-être deux mois. Non, un mois pour savoir qui était, si ma femme était la volonté de Dieu pour moi. Je priais, j'allais dormir, j'attendais que Dieu me parle. Un jour, il m'a montré ma femme au milieu de ma famille. Après ça, je prie encore, je voulais voir des anges. Je vous dis la vérité, moi, je cache. Je voulais voir des anges, donc je priais comme ça. Je vais à 14, je me couche, je dors, je m'imagine des anges. Et c'est ça que le subconscient est puissant. J'ai touché le Seigneur, c'est ce qui me parle.
Je ferme les yeux comme ça, là, je m'imagine des anges qui viennent me visiter pour me dire que c'est ma femme. J'imagine, je commence à voir des trucs bizarres, des étoiles, je commence à imaginer. Et pendant que j'imagine comme ça, fortement, d'accord, j'ai l'ordinateur qui est ouvert sur Top Chrétien. Et il y a Eric Séléré qui parle, il dit qu'arrête, arrête d'aller te coucher pour demander la volonté de Dieu. Je dis, parle, arrête de fermer tes yeux pour savoir que la volonté de Dieu. Il t'a dit que c'est pour toi. En fait, il a dit arrête de te coucher. Tu fermes les yeux, tu veux entendre la voix de Dieu. Il t'a parlé. Comment il peut savoir ça? Et pendant qu'il est en train de prêcher sur enseignement Top Chrétien, je me réveille. Et là, c'est Dieu qui m'a parlé, en fait. Il m'a dit, arrête. Il t'a dit, c'est ta femme. Arrête. Combien de personnes prient jusqu'à ce que Dieu dise, OK, c'est la bonne personne, vas-y. Combien? Non. On a tout mis sur les critères de l'argent. Aujourd'hui, c'est de l'argent. Tu ne connais pas le background d'une personne. Tu ne connais pas le pedigree d'une personne. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu ne connais pas, tu t'engages. Il y a des hommes pareils. Tu ne connais pas qui est cette fille. Il y a des hommes, tu te mets avec une femme, tu commences à avoir la malchance. Quand tu avais la bonne personne, hein, il y a des choses sur le plan physique qui doivent être palpables. Et sur le plan émotionnel, le plan physique et le plan spirituel. Quand tu avais la bonne personne, spirituellement, tu grandis. Sur le plan émotionnel, tu es équilibré, tu es en paix. Sur le plan physique, là, tu prospères. D'accord? Ce que tu fais marche. Ce que tu fais marche quand tu avais la bonne personne. Parce que Dieu l'a mis dans ta vie pour être une aide, pour être un compagnon, pour être un allié destiné, pour être quelqu'un avec qui tu vas bâtir, en fait. Combien de gens prient pour être sûr? Quelle est cette fille qui peut prier, d'accord, pour être sûr que l'homme qui est venu la draguer, là, qui a les immeubles, qui a des millions, là, pour être sûr que c'est la bonne? Combien de gens, de femmes peuvent faire ça? Combien? C'est pourquoi vous avez beaucoup de femmes qui sont mariées, qui sont malheureuses. Mais oui, comment les reconnaître? Elles sont toujours là sur Internet. Elles ont l'argent parfois, mais elles ne s'en fichent jamais avec leur mari. Jamais. Elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses. Moi, je vois ça. Une femme est là sur Internet. Elle ne voit jamais son mari. Mais oui. Mais je vous dis la vérité. Allez sur son Instagram. Son mari n'est jamais visible. Oh, mais c'est ça. On vous dit la vérité. Quand tu vois une femme qui est, elle ne voit jamais ses photos de son mari, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Je vous dis, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Mais elles sont toujours dans les directs. Comment une femme qui est mariée déjà est toujours dans les directs à regarder les vidéos sur les relations? Elle cherche quoi? You are already married. What are you looking for here? What are you here? Pourquoi tu es là? Tu es marié, mon frère. Oui. Oui. Parce que quand une femme aime un homme, elle l'admire, elle le présente au monde. J'ai même remarqué qu'il y a certaines filles, même certaines femmes, quand elles sont avec un homme, elles le présentent tellement. Et quand le gars la barre, quand la relation se gâte, elle ne parle plus de lui. C'est là que tu sais. Oui, le mauvais choix du conjoint. Tu vois, on dit que ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. C'est-à-dire, ce message avec mon mentor, le code d'assis, on se dit toujours qu'on va arrêter de parler des relations. D'accord, on se dit, à chaque fois, on se dit non, bon, c'est bon, it's okay, it's over, we won't talk about it anymore. On ne parle plus de ça, on ne parle plus de relations, on ne parle plus d'amour, d'accord? Parce qu'on est fatigué, on va maintenant parler des talents, la destinée, le business, tout ça. Mais chaque fois, le problème revient, même dans nos formations, les talents, les gens viennent nous parler, poser des questions sur le mariage, c'est essentiel en fait, c'est la base de la société. Les gens doivent bien se marier. Vous comprenez? Il y a des signes. Par exemple, pour la Joanna que j'ai rencontrée, la caucasienne, un des signes qui m'avait marqué, et le pasteur Castanon disait que Dieu parle par plusieurs manières, d'accord? Mais une façon que Dieu utilise en fait, pour te parler, mais de façon radicale, c'est par les circonstances, parce qu'il y a besoin que ton jugement intervienne, parce que tu es libre, d'accord? Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre les circonstances où la personne va pécher encore et encore, inexorablement devant toi. Elle va pécher, elle va multiplier les péchés. Pécher comment? Pécher, ça veut dire manquer la cible. D'accord?
Par exemple, moi je viens d'une famille noble, en fait. En vérité, je viens d'une famille noble, en fait. Et j'ai vu mon père toujours. Mon père a toujours s'est toujours habillé comme un roi. Mon père a de, il avait de l'influence. Même s'il est, il est parti, son influence reste, en fait. Lorsqu'on me voit, on me respecte parce que mon père a été qui il est. Donc, mon père était quelqu'un de très charismatique. Donc, je suis le genre de personne, je ne supporte pas le manque de respect du femme. Non, dans mes habitudes, je supporte pas, en fait. Même quand je vois une femme manquer de respect à un homme dans la vraie vie. J'aime pas ça. D'accord? Je supporte pas ça, en fait. D'accord? Les femmes qui parlent mal aux hommes, là. Qui parlent, qui grondent des hommes. Ça, non, 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 non. Je supporte pas ça. Cette dame-là, je vous ai raconté ça. J'étais à Châtelet avec elle une fois. Et j'ai déjà, premièrement, quand mes cousines m'appelaient pour passer du temps avec moi sur Paris, elle était tout le temps jalouse. Et elle se fâchait. Genre, mais c'est quoi, on peut pas être tranquille, machin. Première chose, premier élément que je remarquais qui ne me plaisait pas. D'accord? Et là, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Mais est-ce que tu vas trouver des excuses? Deuxième élément, je sais pas, je mangeais un bonbon au caramel, je me souviens, et c'est pas par erreur, en fait, j'ai pris un bonbon au caramel, c'était comme ça. Voilà, et après l'emballage, en fait, je l'ai fait tomber au sol, par hasard. Je ne me suis même pas rendu compte. Moi, je marchais vite. On regardait les gens qui dansaient à Châtelet. Vous êtes à Châtelet. Les gens dansent souvent. Les gens font des... Voilà. Car, vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle m'a grondé comme un enfant. Oh, ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Elle m'a grondé, sérieusement. Je suis sûr que j'ai dit, tiens, tiens. OK. All right. Ça a commencé à me... repousser, d'accord? C'était les premiers signes. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à recevoir l'envie de lui, de demander à Dieu si c'était vraiment la personne pour moi, en fait. Mais combien de femmes, combien d'hommes et combien de femmes négligent ces éléments? Les gens disent toujours ce qu'ils veulent, mais vous ne dites jamais ce que vous n'aimez pas, en fait. Vous ne voulez pas. Tu as une relation avec un homme, il te parle mal. Tu laisses. Il te traite comme un animal. Quand il te traite mal, il manque de respect à tes amis, tout ça. Il s'énerve constamment. Tu laisses parce que oh, bon, ça va aller. Hein. C'est plutôt son côté faible. Chacun a les défauts. Hein. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a l'argent, parce qu'il a une bonne situation, parce que tu es désespéré. Tu ne veux pas être seul, en fait. Tu commences à put up. You put up with all his defects. Tu commences à supporter ses défauts. Lui, elle m'a infantilisé, en fait. C'était là le premier truc. Et c'est le truc là qui m'a amené à aller prier. Oui, vis-à-vis de la loi, parole à un chrétien peut faire ça, oui. Et donc, en fait, c'est là que j'ai prié. Dieu m'a dit, OK, bah écoute, tes impressions sont vraiment mauvaises, en fait. Dans le domaine prophétique, il y a ce qu'on appelle les impressions. Dieu parle aux gens par les impressions. Par les impressions. Quand tu as une impression de quelque chose, ça ne t'équipe pas, c'est que c'est ça. Donc, au début des relations avec un gars, ne dites pas que non, il m'a trompé. Donc, coach, il y a des hommes, ils te mentent. Ils ne te mentent pas. Il t'a dit. Quand une femme te dit qu'elle est folle, moi, je suis une folle. Il faut croire. Quand une fille te dit que moi, je m'en fous, je suis, voilà, moi, je dis ce que j'ai à dire. Hein. Ça ne te plaît pas, bah, ton petit, hein, tu la vois, elle a un joli corps, hein, bien belle, là, tout le monde la veut. Mais elle te dit qu'elle est une folle, mon frère. Crois. Trust her. Trust. Aie confiance en ce qu'elle te dit. Aie la foi en ce qu'elle te dit. Elle te dit que je suis belle, mais je suis sauvage. D'accord? Je suis belle et je suis sauvage. Oui, Erin. Oui. Je suis belle et je suis sauvage. Would you be able to stand, to live with me? To cope with that? Est-ce que tu vas supporter ça, en fait? Ah non, c'est rien, mon gars. Tu as vu le derrière de la petite. Ah, mon frère. On trouve ça où, mon frère? Elle est d'abord bien belle. Oui, c'est ça. Après, vous allez bagarrer tous les jours à la maison. Oui. Quand un homme te dit que lui, il est instable, il a des problèmes, n'essaie pas de dire non. Oh non, ça va aller. Un gars te dit que non, moi, je n'arrive pas à me poser avec une personne, je n'arrive pas à avoir une vie posée. Moi, j'aime bien voyager, je suis aventuré. Ah non, ça va aller. Espérant qu'avec le temps, il va changer. Non. Croyez en les gens.
trust people. La plupart des temps, Brice, la première impression est la bonne. Et surtout une impression qui s'intensifie avec le temps. C'est la bonne. Oui, tu vois un homme qui te parle mal. Ou alors un homme, tu es assis, tu n'es pas encore marié avec lui, mais tout le temps, il est en train de regarder le derrière des femmes. Tout le temps, sa tête est comme ça. Il marche avec toi. Hein? Il vient comme le vibreur. Il fait semblant. Oui, mais les lunettes, quand il regarde le derrière des femmes, il met les lunettes. Tu vois ça tout le temps, mais tu te dis quand même que non, c'est rien. Hein, on va se marier, machin, tout. Il faut que je me marie hein, après tout. J'ai trop galéré. Non, non, et non, et non, et non, et non, et non, et non. Il y a toujours des signes. Ne dites pas après, parce que nous, on est les pasteurs. Après, vous venez pleurer. Et chaque fois que tu essaies de me convaincre qu'il n'y avait pas des signes, il y avait toujours des signes. Tu vois un gars, par exemple, tu rencontres un gars, il est irresponsable, fait ça. Il n'a pas de boulot. Bon, tu peux manquer de boulot, mais tu es un travailleur. Il n'a pas de boulot, aucune ambition. Hein? Il est seulement shoga. Oui, shoga, beau gosse. Ils sont là. Hein? Il met des mocassins, il met des westerns. Hein? Ils sont bons. Hein? Il est constamment en train de faire des photos sur les champs, tout ça. Mais il n'a pas de travail. Ça ne te dérange pas. Hein? Oui, non, mais non, mais non. Tu ne peux pas comprendre. Faut pas juger. Hein? Faut pas juger. Je me suis fait des bons mecs avec quelqu'un comme ça une fois. Mais vraiment, les problèmes, quoi. Je dis à la personne là que le gars, mon frère, je suis prophète, non? Oui, mon frère, je dors la nuit, d'accord? Je dors la nuit. Je dors la nuit, je vois la fille qui fait un enfant avec le gars. Et le gars la maltraite, il l'abandonne après. J'appelle la fille pour lui dire que le gars avec qui tu es en train de te mettre là, je l'ai vu en songe. Ce n'est pas ton mari. Voilà ce qui va t'arriver. Tu vas tomber enceinte et il va te maltraiter. Il va t'abandonner et tu vas pleurer. Je te voyais dans le rêve. Tu marchais avec l'enfant, tu pleurais. Je lui ai dit ça. Ah, laisse ça. Hein? Vous gâtez toutes les relations des gens. Tu es jaloux, tu es jaloux. Tu veux gâter ma relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je dis pardon, il faut pardonner. C'est pour ça qu'il y a parfois, un des trucs qui est... c'est pas ingrat, mais un truc que j'ai souvent demandé au Seigneur de ne plus permettre que je fasse, c'est d'aller révéler la vie des gens, en fait. Quand Dieu me montre la vie des gens, il y a des gens, parfois, Dieu va t'envoyer révéler les choses sur leur vie pour les aider, mais ils sont condescendants envers toi. Il y a une dame comme ça. Tout le temps, je faisais des rêves sur elle. Son mari la traitait pas bien, son mari la trompait, tout ça, machin. Tout. Et à chaque fois, en fait, tu lui parles, c'est comme s'il faut trop négocier avec elle pour lui parler. C'est-à-dire, elle te bat le chemin, tout ça. C'était compliqué, en fait. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus que tu me montres des rêves. Je ne veux plus, en fait. Et Dieu m'a dit, c'est ma fille. Tu n'as pas le choix. D'accord? Je te montre ça parce que tu es prophète et je veux que tu pries pour elle, que tu prennes ce temps. C'est pour ça que j'ai compris aussi qu'un bon prophète a le cœur de l'intercession. Dieu te montre la vie des gens pour que tu pries pour eux. Parce que parfois, les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ils sont bloqués. Dieu sait ce qu'il a déposé dans la vie de la personne. Et il voit que Dieu avec... il voit que la personne est en train de s'engager dans une voie qui va retarder sa destinée. Quand tu sors avec la mauvaise personne, tu fais un enfant avec la mauvaise personne, tu peux avoir un retard de 8 ans. 8 ans. C'est beaucoup. Regardez, par exemple, tout ce que j'ai pu réaliser de 2000, quand j'ai commencé le coaching, de 2015 à 2020. Regardez tout ce que j'ai réalisé. Les gens que j'ai coachés, les gens que j'ai aidés, les entreprises que j'ai... En fait, tout ce que j'ai réalisé beaucoup. Imaginez, hein? J'étais tombé, j'étais dans le péché avec une autre femme. J'allais avoir au moins 8 ans de retard. Ne blaguez pas avec ce que je vous dis là. Ça, c'est prophétique ce que je vous dis. Ne blaguez pas avec ça, en fait. On n'est pas là pour faire la comédie. Dieu nous révèle parfois les choses. Parfois, il y a les gens même... Et Dieu est tellement amour. Parfois, il y a les gens qui sont en train de vivre dans le péché. Hein. Dieu te montre un rêve pour que... Mon Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu ne meurs pas vite. C'est que tu ne meurs pas. La volonté de Dieu, c'est que tu accomplis ta destinée. J'ai vécu ça, le père. Tu vas parler à la personne, elle se met à dos. Oui, tu parles à la personne. Ça m'est arrivé combien de fois, je dis à une personne. La personne me dit non, tu racontes n'importe quoi, machin. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux plus que tu me montres les rêves. Je ne veux plus que tu me montres les rêves, c'est... je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus. Et Dieu me dit, je t'ai appelé pour ça. Et à une époque même de ma vie, je ne priais plus pour les gens. Je vous dis, je suis transparent. Je ne priais plus pour les gens. J'étais ici au salon, là en face, là.
là, enfin, vers le canapé. J'étais couché un jour à 14 heures. Il y a une présence qui est tombée sur moi. D'accord? Il y a une présence qui est tombée sur moi. Ça m'a écrasé. Une présence. J'ai commencé à crier. Je voulais me débattre. C'était trop fort. Comme si un homme de 500 kilos s'était posé sur moi, en fait. Et j'ai entendu la voix qui m'a dit, je t'ai dit de prier pour les gens. Prie pour les gens. Et j'ai parlé à la voix. J'ai dit, Seigneur, si je prie maintenant, ça ne marche pas, on va se moquer de moi. Si je prie maintenant, ça ne marche pas. Si je donne les prophéties, ça ne marche pas, on va se moquer de moi, en fait. Il m'a dit, c'était un dialogue, hein, j'étais en transe, parce que Dieu parle par les transes. Il parle par les visions ouvertes, fermées, il parle par les rêves, par les transes, par les impressions, par le tactile, bref. Mais là, il m'avait parlé par transe, en fait. Donc, il avait déposé son poids sur moi. Sa gloire, la cabote, il a déposé sur moi comme ça. Et j'ai parlé avec lui. J'ai plaidé, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai peur. Je vais prier pour les gens. Si je prie pour les gens, si tu n'exauces pas, je vais faire comment? Si je prophétise, comment? Il m'a dit, ce n'est pas ton problème. Prie juste pour les gens. Et après, c'est parti. Boum! La présence est partie, en fait. Je me suis levé au salon, je tremblais. J'avais la sueur comme ça. J'appelle Johanna, ma femme. Johanna, tu es où? Johanna, Gloria, vous êtes où? Vous êtes là? Elle n'était pas là, elle était sortie. Mon cœur battait. Je me lève, j'avais froid. Je me lève. Et c'est le Seigneur qui m'avait rendu visite. Il était venu me dire, je t'ai donné la capacité de prier pour les gens. Ne t'amuse pas avec ça. Prie pour les gens. Oui. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je vais prier pour les gens. Je vais prier pour les gens, Seigneur, pardonne-moi. Et dès que j'ai fait ça, j'ai commencé à prier pour les gens. Il exaucé. Ce n'est pas mon problème. Il y a des gens qui ont des situations compliquées. Il y a des gens qu'on veut expulser de leur maison. Je prie, on leur redonne la maison. J'ai prié pour une femme en Belgique. On lui a donné une ville. Comment elle voulait acheter une villa? Elle a eu le financement pour acheter sa villa, en fait. Je vous parle des exemples. Les gens, même qui, quelqu'un, une femme a le sida, elle en a fait sur une église. Dieu me dit, prie pour elle. Je dors la nuit, je prie pour une femme. En fait, comment on dit ça? Tout ce que je dis là, en fait, en vrai, c'est pour vous ramener à Dieu et la destinée. Moi, je suis là pour la destinée. C'est tout ce qui m'intéresse dans ta vie. Tout ce qui m'intéresse dans ta vie, c'est que tu marches dans ta destinée, en fait. Le reste, c'est Dieu qui fait. Vous comprenez? Il y a des saisons même où là, il y a des saisons comme ça, hein, où Dieu ne te donne même pas l'argent. Ton cœur est sur l'argent. Oh, l'argent, oh, comment je vais faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Oh, Seigneur, comment je vais faire? Oh, tu cherches des trucs. Alors qu'il y a des gens autour de toi qui souffrent. Hein. Dieu te montre des rêves sur les gens que tu dois prier, mais tu ne pries pas. Oui, tu penses qu'à l'argent, oh, machin. Ou tu penses qu'à faire l'argent, oh, machin. Dieu te dit, prie pour les gens. Prie pour les gens. En même temps, là, tes futurs clients, c'est qui? Tes futurs clients, c'est les gens pour qui tu as prié, que Dieu a exaucé. Ils sont reconnaissants, ils reviendront. Une personne en qui tu as créé un changement radical spirituellement, ben, n'a plus d'autre leader que toi, en fait. En vrai. Hein? Il y a des gens, vous êtes dans la pauvreté parce que vous n'êtes pas des intercesseurs. Hein? Je vous dis. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur la terre que Dieu a créé juste pour prier pour les autres? Et vous ne devez pas attendre que Dieu vous suscite pour ça. Vous devez être quelqu'un qui prie pour les gens. Pendant que tu pries pour les gens, Dieu résout tes problèmes. Ouais. Il y a des peurs quand tu pries pour les gens. Dieu lui-même vient te dire que je dis, hein, je t'ai dit, fais une liste, tu me demandes ce que tu veux. Le Seigneur lui-même vient te dire. Regardez, dans le livre, je crois que c'est un roi, quand Dieu, David s'en va, il lègue le royaume d'Israël à son fils, Salomon. Il lui donne les instructions. Il fait asseoir Salomon sur le trône d'Israël. Il le fait asseoir. Maintenant, Salomon se retrouve avec une multitude de gens à gérer. Le gars ne sait pas comment gérer le peuple. Il n'a pas les capacités. Il a reconnu qu'il n'avait pas. Et Dieu lui dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Il dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un si grand peuple. Moi, je n'ai pas moi la force pour gérer ce peuple. Je n'ai pas la force pour ça. Si tu me donnes seulement la sagesse pour ça, là, pour gérer ton peuple, c'est tout ce que je te demande. C'est ce que Dieu a dit. Oui, voilà. C'est ça la vérité. Quand vous vous occupez des choses de Dieu, mon frère, c'est le secret. C'est le secret. C'est le secret. Tu vas me manquer d'argent. Dieu dit quoi? Je te donne, puisque tu ne m'as pas demandé l'argent et que tu veux la sagesse, je te donnerai un cœur intelligent. Un cœur intelligent? Un cœur intelligent. Je te donnerai un cœur intelligent. Je te donnerai un cœur intelligent.
Hein? Un cœur intelligent. Merci. Voilà, merci Joseph de faire la modération. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Hein? Dieu a dit ok, donc tu ne demandes pas l'argent, petit frère. Hein? Tu ne demandes pas l'argent? Qu'est-ce qu'il est bizarre, ce jeune homme. Avec tous les rois de la terre qui chaque jour, hein, intercèdent, me demandent, me font d'incessantes prières pour leur prospérité, d'incessantes prières et de supplications. Tous les jours, l'argent, Seigneur, l'argent, le mariage, je veux me marier, Seigneur, le mariage, mon mari, j'arrache mon mari, je veux un blanc, je veux une blanche, je veux ceci, je veux voyager, va aller aux États-Unis. Après ces incessantes, malgré ces incessantes prières, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est la capacité de prier pour les gens, de bénir les gens. Ok, puisque tu ne m'as donc pas demandé le voyage, l'argent, la femme, le mari, le blanc, tout ça. Tiens donc. Je décrète et je déclare sur cette parole prophétique. Je décrète et je déclare. Selon 1 roi 3, verset 9, que le Seigneur t'accorde aujourd'hui un cœur intelligent, d'accord, afin que tu puisses prier pour les gens, tu puisses libérer tes talents, servir tes talents au plus grand nombre de personnes, afin que tu puisses prendre soin des gens que Dieu t'a donnés. Il y a parmi vous des coachs. Vous n'arrivez pas à grandir, vous n'arrivez pas à progresser dans votre pratique de coach. Je suis en train de voir. Parce que Dieu vous envoie une ou deux personnes, vous négligez, vous ne prenez pas le temps de les faire grandir, de les aider en fait. Vous voulez avoir de l'argent. Je déclare, ça s'arrête dans ta vie. Maintenant, tu deviens fidèle. Je déclare que Dieu te donne un cœur intelligent. Que les défis qu'il met devant toi, les opportunités ne te dépassent pas. Je déclare que tu marches dans une dimension où tu vibres avec une certaine sagesse divine. Tu arrives à gérer les gens. Tu arrives à gérer les problèmes des gens. Tu arrives à prier pour les gens, à découvrir ce qui bloque la vie des gens, à débloquer la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous comprenez ça? Et ce n'est pas fini, hein? Ce n'est pas fini. Au verset 29, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 29. 1 roi 4, verset. Voilà. 1 roi 4, verset 29. Regardez. 1 roi 4, verset 29. Joseph, tu peux noter ça. 1 roi 4, verset 29. Note plutôt 1 roi 4, verset 29. Un roi 4, verset 29. Écoutez, c'est le secret de ma vie. D'accord? Ma femme et moi, nous avons dédié notre vie à aider les gens. D'accord? Ça n'a pas été toujours facile. À aider les gens. On a aidé les gens. On a soutenu les gens. Élevé les gens dans leur domaine avec la puissance de Dieu. Et Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Regardez, là, on est en train de faire une tournée mondiale. On organise le talent tour à Paris. Il y a du monde qui va venir. Après, on va aller au Cameroun. Après, Côte d'Ivoire. Après, Gabon. Après, on va aller en Asie, aux Philippines, d'accord, à un ministère où Dieu nous avait connu depuis des années. On va aller après aux États-Unis, on va aller au Canada, on va aller en Martinique. Mon Dieu, il dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et c'est là que j'ai découvert que, en fait, ce que Dieu donna à Salomon, c'est un talent. Il y a des talents que Dieu te donne juste pour, c'est-à-dire que pour te distinguer. Moi, je n'ai pas commencé en faisant le coaching. Hein. Moi, j'ai fait du basket, j'ai fait la photographie, j'ai fait d'autres choses en fait. Aujourd'hui, j'ai une maison d'édition hein, qui marche bien et je ne savais pas ça. C'est au fur et à mesure que j'avance, je suis fidèle en ce que Dieu me donne. Il ne fait que m'ajouter des talents. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu a changé ma voix? Avant, je n'arrivais pas à chanter.
Dieu a rendu ma voix. Un jour, un prophète avait dit, Dieu va. C'était quelqu'un qui avait dit, il voyait Dieu gratter ma gorge. Je ne sais pas si c'est Joseph, je ne sais pas. Gratter ma gorge, en fait. Donc avant, je me suis toujours inquiété que non, je vais aller prendre les cours de chant. Mais je me suis rendu compte que depuis cet temps, j'entends Dieu me dire, chante un peu, chante. Hein? Et m'a montré même le type de personne qui a le type de foi que je dois développer. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Hein? Comment t'aimer? Ouais, il m'a montré que ce monsieur-là, j'ai tellement de souvenirs. Hein? Il m'a montré. Oh mon Dieu. Ma voix s'est améliorée. Je vous dis, je ne suis pas allé chanter quelque part. Je vous dis. Demain, je dis à ma femme, mais tu sais pas mettre ma voix, mon thème vocal est devenu un peu grave. Hein? Oui, oui, oui. Au pendule. Il me dit, c'est Dieu qui donne ces choses. C'est Dieu qui te donne. Tu passes les étapes, les classes. Tu passes. Tu es sérieux avec Dieu. Tu préserves ton corps. D'accord? Tu vois derrière les femmes, tu fuis. Une femme vient, tu fuis. Tu te préserves. Oui, oui, oui. Au pendule. Comment? Seigneur, aide-moi. Ma voix a changé, Joseph. Hein? Dans Romains 12, Romains 12, verset 1, il dit quoi? Pardon, j'affiche un peu, Romains 12, verset 1. Je suis en train de parler aux genoux. Vous avez une destinée flamboyante. Et je décrète et je déclare sur ta vie que personne ne viendra ravir la récompense qui est réservée à ta destinée. Que personne ne viendra ralentir ta destinée. Je décrète et je déclare. Si tu crois seulement, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Si tu crois seulement, ça va arriver dans ta vie. Personne ne va venir ralentir ta course au nom de Jésus-Christ. Oui, oui, oui. Upon the Lord. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Regardez. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici le premier chemin de la destinée. Le premier chemin. Premier chemin. Avant de chercher ta destinée, tout ça là-bas, garde, il te dit, avant de chercher, avant d'avoir d'abord la vision, là, garde d'abord ton corps, mon frère. Offre ton corps à Dieu. Vous comprenez? Ma reconnaissance, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes enfants. Je m'arrête là aujourd'hui. Merci Seigneur pour tes enfants, Père. Je décrète, je déclare que tout ce qui s'était levé contre la destinée de tes enfants, Père, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Je décrète, je déclare, Seigneur, au son de ma voix. Selon ce qui est écrit, que la parole du roi est puissante, qui lui dira que fait. Je décrète et déclare que ce qui avait été programmé contre toi, chose dont tu es conscient ou alors tu es inconscient, tout ce qui avait été programmé pour limiter ta course, ta marche, s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tout accident qu'on a programmé pour toi, j'arrête au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qu'on t'a envoyée spirituellement pour te voir mourir jeune, je dis bien, je la sèche par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Isaïe 10, 27 dit que l'onction brise le joug. Je brise le joug du blocage des ténèbres dans ta vie. Je brise le joug de la malédiction dans ta vie. Je brise le joug de la pauvreté dans ta vie. Alors, je ferai avec ma bouche un chemin dans le désert de ta vie. Alors que tu passes par un désert, je ferai un chemin. Alors que tu ne voyais pas, tu vois. Alors que tu étais bloqué, maintenant, tu passes. Alors que tu étais confus, maintenant, tu es éclairé. Alors que tu avais peur, maintenant, tu es courageux. Alors que tu étais abandonné, maintenant, tu es entouré. Alors que tu étais délaissé, maintenant, on te recherche. Je décrète, je déclare cela sur ta vie. Cette parole est certaine. Je suis venu parler des relations tout à l'heure. J'avais un débit vocal. Je suis passé d'abord un peu comme dans la comédie. Mais je vois comment Dieu change les choses, en fait. C'était pour que le message rentre dans votre esprit.
Le Seigneur a besoin de vous. Il me montre actuellement, je vois un crapaud. D'accord? Seigneur, tout ce qui représente la lenteur dans la vie de tes enfants. J'arrête, Seigneur, la lenteur. Je décrète et déclare que maintenant, ils vont courir. Ta parole dit que la course n'est pas aux agiles, Seigneur. Le peur n'est pas aux sages. La richesse n'est pas aux intelligents. Tout dépend pour chacun d'eux des temps et des circonstances. Père, je prie que toi qui es le maître des temps et des circonstances, que tu fasses grâce à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me regardent aujourd'hui en différé, même dans plusieurs années, que cette parole prophétique transforme leur destinée et leur accorde de voir de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prie pour toi. Tu es là, tu vis dans les relations, ton cœur est amer, ton cœur est dur, tu es fâché. Tu es même fâché contre le Seigneur. Tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis? Why did you allow that? Pourquoi tu as permis qu'on me brise au cœur? Pourquoi tu ne m'as pas averti? Je te sors de la maison de l'amertume au nom de Jésus-Christ. Et j'enlève sur toi les vêtements de l'amertume. Je les enlève, je les arrache. Je te mets des vêtements de la joie, de la paix au nom de Jésus-Christ. Je te mets les vêtements de la paix, de la joie au nom de Jésus-Christ. Shkebrando, skebanta brunde, vrenda so kande kande riondo ribanda. When I go to Valelo, I feel not evil. Tu passes par des moments très difficiles. Tu passes par des moments très difficiles. Les problèmes sur problèmes, les inquiétudes, l'angoisse. Le Seigneur me dit, il te dit, ne pas avoir peur. Ceci va passer. Tu es en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je décrète et je déclare, ici aujourd'hui, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, que tu es béni dans tout ce que tu fais. Je bénis tes activités. Je bénis tes business. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur. J'entends le Seigneur me dire de dire merci. Dites merci à Dieu. Dites merci au Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, trois fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses
Pour nous, vous ressentez l'esprit de Dieu, vous ressentez l'onction de Dieu chez vous actuellement. Dites merci à Dieu, ces paroles prophétiques. Dites merci à Dieu et ce que vous allez dire. Dites merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Dites merci à Dieu pour ce que vous attendez de lui. Et ce que vous allez dire en disant merci, il le fera. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père. Merci Père. Il y a une onction là-bas. Le Seigneur me dit, il y a une onction chez vous. Il y a une forte onction chez vous qui est en train de vous toucher, qui est en train de vous faire frémir. Tu ressens ça sur toi, en fait. D'accord? Voilà, je vais reprendre nos questions. Voilà, le corps vibre. Oui, le corps est en train de vibrer. Il y a une présence de Dieu. Vous savez, Dieu m'a appelé jeune. D'accord, je suis jeune. Et je suscite aussi des jeunes, même des personnes qui sont plus âgées. Voilà. Je suscite des jeunes par la grâce de Dieu. Mais en fait, ne gaspillez pas les années de votre vie. Ne gaspillez pas, en fait. Ne gaspillez pas les années de votre vie. Je décrète et je déclare sur ta vie que Dieu te donne un conjoint qui ne va pas te déranger. D'accord? Que Dieu te donne une femme qui sera dans ta maison comme une vigne fertile. Que Dieu te donne une femme multiplicatrice de grâce, accélératrice de faveur dans ta vie. Que Dieu te donne un homme qui va t'aimer, qui va t'honorer. Un homme que tu vas admirer, un homme avec qui vous allez bâtir de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais répondre aux questions. Je vous ai déjà demandé à certaines personnes de garder les questions pour la fin. Je vais répondre. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te voir. Très bonne question. Très bonne question. Pourquoi Salomon, malgré sa sagesse, est tombé? Bah, Salomon vient d'une lignée où le péché était assez présent. Salomon n'a pas combattu le péché de son père. D'accord? Quand tu regardes bien la généalogie en fait de tous ces gens-là, de façon générationnelle, hein, Isaac, hein, Jacob, le mensonge, les femmes, en fait. Tous les descendants, en fait, d'accord, les arrière-parents de Salomon avaient dans leur vie ce problème de faiblesse sexuelle, en fait. Le père de Salomon, David, a commis l'adultère. Il a pris la femme de quelqu'un. Il l'a tué, d'accord? Il a fait tuer son mari. Il a envoyé son mari qui est mort sur le champ de bataille. Le péché est entré dans sa vie, en fait. Et je pense que Salomon n'a pas combattu cela. Pourquoi? Parce que aussi, le règne de Salomon était tellement affermi que bah, quand son père est mort, son père lui a donné des instructions pour abattre tous les gens qui fragilisaient son règne à lui. Donc Salomon arrive à un moment donné de son règne où, au début de son règne, il tue tous les ennemis du royaume, il tue tous les ennemis de la couronne, tout ça. Et après, il n'a plus rien à faire. Quelque part aussi, il y a l'oisiveté. L'oisiveté, en fait. Bon, il travaillait, il donnait des conférences. On dit qu'il a donné plus de 3 000 conférences, 3 000 discours dans le monde entier. Les gens venaient du monde entier pour le voir. Mais Salomon, en fait, il passait du bon temps. D'accord?
Donc, malgré ça, il est tombé. Ben, écoute, c'est parce qu'il n'a pas combattu le péché de son père. Voilà, c'est pourquoi vous devez combattre ça. Ce que ton père a vécu, ben, a tendance à t'affecter. D'accord? Ce que ton père a vécu, il a tendance à t'attaquer. OK? Merci, Emily, Job. Merci. Merci, Anne. Merci, Estelle. Merci, Myriam. Oui, Lia, tu pleures parce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te touche. Parce que Dieu ne vous condamne pas. Hein. Attention. Peut-être j'utilise un langage parfois dur. Mais c'est pour vous réveiller. D'accord? Dieu ne vous condamne pas. Dieu est amour, en fait. La volonté de Dieu, c'est que ben, que nous serons tous sauvés. Même le méchant, Dieu veut qu'il se répande. D'accord? Donc souvent, il y a ce qu'on appelle des réclamations aussi, comme Gaël dit. Bah, les maladies de tes pères, les péchés de tes pères, tout ça, les choses que tes parents ont fait, bah, ça commence à t'attaquer. Et donc, moi, à un moment donné, je sais que quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai beaucoup lutté contre des trucs de sorcellerie, en fait. D'accord? Des trucs de sorcellerie. Et à un moment donné, même, bah, mon père était quelqu'un qui aimait bien les femmes. Bah, oui. Mon père a épousé 4 femmes. 4. 4 femmes. Donc, c'est un exploit pour moi, quelque part, de rester avec une seule femme et me tenir dans la fidélité, en fait. Mon père avait 4 femmes. Donc, je viens de quelque part. Je ne me suis pas élevé juste comme ça. Mon père avait 4 femmes. Mon père, c'est... j'ai beaucoup d'honneur pour lui, mais dans sa vie, il avait 4 femmes. Donc, vous voyez. Et souvent, vous allez voir l'enfant à tendance. Quand vous voyez une maman qui était un peu dans la promiscuité sexuelle, après ses enfants vivent la même chose, en fait. Une maman qui est un peu légère avec des hommes, tout ça qui enchaîne les hommes. À un moment donné, ses enfants vont reproduire la même chose. S'ils ne prient pas pour ça, s'ils ne brisent pas ces liens-là, ça va se reproduire, en fait, d'accord? Vous allez voir un homme qui, son père buvait beaucoup, lui aussi boit beaucoup, d'accord? Non, tu dois prier pour briser toutes ces choses, en fait. Déjà, en plus, en étant né de nouveau en Christ, d'accord, toutes les malédictions qui pesaient sur nous, ben, il les a prises à la croix. Mais il y a des réalités parfois qui veulent te mettre la pression, d'accord? C'est un peu comme si ça a été transmis. Voilà. Il y a quelque chose qui a changé dans ton ADN, dans tes chromosomes. Quand tes parents se sont mis ensemble, ton père a transmis des chromosomes à ta mère. Après, bon, ça a donné quelque chose et le péché que ton père pratiquait beaucoup ou ta mère pratiquait beaucoup, ben, ça vient dans tes gènes, en fait. Oui, ça vient dans tes gènes, ça vient dans tes gènes. Ça touche ton comportement sur le plan humain. Tu commences à te comporter bizarrement parce que c'est en toi. On dit souvent que c'est dans le sang. Hein, c'est dans le sang chez nous. Bois le vin, là, les femmes, là, c'est dans le sang. Oui, il y a des gens qui ont ça. C'est compliqué. Donc, il y a des façons de prier pour ça, pour détruire ça. Tu pries. Voilà, souvent, le Seigneur te montre... Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit dessus, de chrétiens, mais souvent le Seigneur va te montrer, va te diriger dans la prière. Moi, pendant les années, je luttais contre les trucs de sorcellerie. Pendant des années, je luttais même contre les trucs des... Je dormais la nuit, parfois, je me réveillais la nuit, j'avais ma couche qui était mouillée, je me voyais dans les rêves en train de faire l'amour avec des femmes, je voyais une femme qui est dans ma maison, elle a fait l'amour avec moi, après je me lève, j'ai ma culotte qui est mouillée, machin, et ça me donnait l'impression d'avoir été abusé. Ça me mettait en colère, en fait. Et après, j'ai commencé à prier sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et ces choses, je n'ai plus jamais fait ces rêves. Plus jamais. D'accord? Voilà. Mais la chose qui va vous préserver de tous ces problèmes-là, c'est la sanctification. D'accord? C'est la plus grande porte, en fait. Je souhaite me préserver jusqu'au mariage, mais je suis français avec la culture que cela implique. Et je ne suis pas converti à une religion, même si je suis très croyante. Comment rencontrer un homme? Je ne sais pas quoi te dire. Si ce n'est que rencontrer un homme sur le plan physique, ce n'est pas compliqué. Hein. Tu utilises les probabilités. La probabilité pour rencontrer un homme, c'est juste d'aller et forte quand tu vas dans un endroit où il y a beaucoup d'hommes. Si ce n'est que ça ton but. Si tu veux rencontrer un homme, juste un homme, va dans les endroits où il y a beaucoup d'hommes. Tu sais pas? Vas-y. Mais si tu veux rencontrer un homme qui craint Dieu, qui est sérieux, tout ça. Il va falloir que tu te soumettes à Dieu. Pour Romains 12, verset 1, tu soumets ton corps à Dieu, tu viens dans la sanctification, tu
t'occupes ta destinée, tu manges ta destinée, tu t'occupes des choses que Dieu veut, d'accord? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses que vous voulez vous seront données par-dessus. Ces choses, c'est quoi? C'est le mariage, c'est tout ce que tu veux là. Tu t'occupes de ce que Dieu veut, il va te donner le mariage, d'accord? Et après, maintenant, il y a une dimension aussi qui est non négligeable et que je vois que beaucoup de chrétiens négligent, c'est la dimension humaine, d'accord? Il faut savoir ce que les êtres humains veulent. Si tu es une femme et que tu veux rencontrer un homme, ce n'est pas compliqué, d'accord? Je vous parle pas du spirituel, je vous parle des choses pratiques, d'accord? Les hommes aiment quoi? Ils aiment la beauté. Nous, les hommes, on aime les femmes qui sont belles. Les hommes aiment les femmes belles, d'accord? Deuxièmement, on aime les femmes douces. Troisièmement, on aime les femmes soumises. Quatrièmement, on aime les femmes coopératives. Cinquièmement, on aime quoi? Il y a un cinquième que j'ai oublié. D'accord? Je cite souvent ça. Merci, Myriam, sois bien. Vous comprenez ça? Certaines femmes n'arrivent pas à trouver le mariage. C'est pas parce que ce n'est pas c'est que Dieu ne veut pas. C'est non. C'est parce que déjà l'homme est visuel. D'accord? L'homme est visuel. C'est quoi l'abeille ça? Il a fait quoi ici? So, get out. Voilà. Donc, premièrement, l'homme est visuel. Attendez. End of the game. Voilà. Premièrement, l'homme est visuel. D'accord? La Bible vient faire quoi dans la maison? Elle est passée par où? D'accord? L'homme est visuel. L'homme aime ce qui est... L'homme aime les... Quand la femme est belle, oui. Douce. Il faut être douce. Douce. Trop de femmes sont des hommes. Hein? Avec la... Je vais faire une vidéo bientôt sur le féminisme, le rôle pernicieux du féminisme sur le mariage. Je vais me préparer pour faire cette vidéo. Je vais préparer des... Le bouclier protecteur, parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi c'est que c'est que le féminisme. Mais aux États-Unis, pratiquement aujourd'hui, on dit qu'il y a une personne, une femme sur 6000 femmes va se marier aux États-Unis. Non, c'est un couple sur 6000, merci, se marie aux États-Unis actuellement. La galanterie est morte aux États-Unis, d'accord? Le féminisme a tué les relations aujourd'hui. Quand une femme sert son mari, quand elle est soumise aux États-Unis, c'est un choc, en fait. C'est un choc. C'est un choc. D'accord? Oui. Je vais préparer un live spécial sur la montée du féminisme et sur l'impact du féminisme sur les relations. Je vois beaucoup de femmes, là, quand je vois leur trajectoire, je sens que si elles continuent dans leur truc de féminisme, là, elles ne vont pas se marier. Je ne parle pas de la dimension prophétique, c'est comme ça. Parce que c'est grave, en fait. I don't need a man, I got my car, I got my condo, I got my money, I can buy whatever I want, I pay my own bills. Qui devait payer tes factures? OK. Hein? Vous comprenez? Oui, ça va qu'à cuire sur moi. Je vais vous expliquer. Non, Erin, c'est le féminisme. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, elles sont nombreuses sur TikTok. Elles sont en train de regretter. Des mamans féministes, là, des dieux à cuire, elles se disent qu'elles ont gâché le mariage. Je vais me préparer. Peut-être que je vais d'abord rentrer au Cameroun là, pour faire ça. Je vais m'asseoir d'abord. Je vais bien décortiquer ça. Coach, so you don't forget my question from above. Est-ce possible d'avoir des liens d'âme avec quelqu'un même quand tu n'as jamais eu de rapport sexuel? Merci beaucoup. Thank you for repeating that question. OK. Nancy. Les liens d'âme se forment de quelle manière? Attends, je vais lire mon livre. Allez acheter le livre, d'accord? Go and get your book, get your copy on Amazon, OK? On va lire ça. Comment les liens d'âme se forment? Voilà. Voilà. Les liens d'âme se forment par les rapports sexuels. Premièrement, rapports sexuels. D'accord? Quand l'homme va avec la famille, il est venu se chair. Deuxième, les liens d'âme se forment par la proximité. Proximité. D'accord? C'est quoi le lien, Joseph, que tu as mis en bas?
Les liens d'âme se forment par la proximité. Les liens d'âme se forment par la proximité. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui finissent par sortir ensemble, hein, des hommes qui finissent par tromper leur femme ou des femmes qui finissent par tromper leur mari. Pourquoi ? Parce que, avec un collègue, parce qu'il y a eu la proximité. C'est-à-dire que chaque fois que tu causes avec un collègue, vous finissez par trouver des points communs, vous mangez à des mêmes heures, chaque midi, vous mangez ensemble, vous parlez de la vie, hein, des choses qui vous attristent, d'accord ? Vous commencez à trouver des points communs, des atomes crochus, tout ça. C'est bizarre, mais vous enlisez petit à petit, en fait, dans une relation. Et donc, en fait, quand ton âme trouve des points communs chez une autre âme, il y a comme un attachement, en fait. Oui. La preuve, c'est que si tu as l'habitude de manger à midi avec un collègue et qu'il ne vient pas le lendemain à midi, tu te sens un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes. Sa présence te manque, en fait. D'accord? Comme l'histoire de ce dragueur-là qui il draguait une fille tous les jours. Il a coincé, bon, il a rencontré sous un bananier près du lycée et il a accompagné jusqu'à chez elle. Elle ne voulait pas de lui au début. Tous les jours, il venait à la même heure, à 15h30. Il l'a accompagné tous les jours. Et un jour, il a fait exprès, il n'est pas venu. Elle se retrouve sous le bananier en attendant le gars qu'elle va frenzonner encore bien. Et le gars n'est pas là. Il allait se cacher quelque part. Et elle a commencé à se fâcher, à être triste. Pourquoi il n'est pas là? Ça veut dire quoi? Il vient tous les temps à 15h30. Je vais alors parler avec qui? Elle avait commencé à l'aimer. D'accord? La proximité. Maintenant, une autre façon de créer les liens d'âme, c'est les cadeaux. Les cadeaux, oui. Il y a des femmes qui doivent rembourser, qui doivent aller donner les Range Rover qu'elles ont prises là. Hein? Tu vois, ton mari est là avec toi, il est marié avec toi, il voit le Range Rover dans lequel vous voulez ensemble. C'est le Range Rover que ton ex t'a donné. Tu crois que ta relation va être correcte? À moins que ce soit un gars bizarre, moi je ne sais pas. Ah oui, merci Joseph pour le lien. Voilà. Tu vois, oui, tu as un petit pincement parce qu'il n'est pas là en fait. Voilà. Donc le Range Rover, il y a des gens, vous avez reçu des montres, hein, certains ont reçu des Rolex. Hein. Tu es marié à quelqu'un de nouveau, tu es marié à ta personne et. Il y a des problèmes quelque part, il y a des liens bizarres, mais la Rolex que tu as là, elle coûte tellement cher, mais c'est ton ex qui te l'a donné. Si ton mari apprend ça. Ou alors la Rolex, chaque fois que tu la mets, les gens t'apprécient dehors, mais ça représente le cadeau que l'ex t'a donné. C'est chaud. Hein? Les cadeaux. Comme les femmes, les cadeaux là, beaucoup sont piégés. Moi, je connais une femme que j'ai coachée, elle devait rembourser, elle devait se débarrasser d'un 4x4. Les 4x4, c'est dur. Bref, les cadeaux. Maintenant, l'autre élément, c'est, Joseph, tu dois ajouter le sexe, voilà. L'autre élément maintenant, c'est quoi? Ce sont les paroles, les vœux et des paroles qu'on donne à des phases où il y a une grande idylle. Les paroles, les vœux, voilà, les vœux. Par exemple, tu passes du bon temps avec lui, et tu l'aimes tellement que tu décides de... Tu dis les choses sans te rendre compte. Tu dis... Il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à être heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont scellé une relation dans le passé avec leur bouche, en fait. Je ne t'abandonnerai jamais. Moi, la seule personne à qui j'ai dit ça, c'est ma femme, en fait. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te quitterai jamais. Tu es l'homme de ma vie. Il n'y aura jamais un homme comme toi. Ah bon? Et des femmes, même pendant l'acte sexuel, là, elles prennent tellement de plaisir, elles commencent à dire des choses. Hein? Vous savez, les déclarations qui se font pendant l'acte sexuel, ce sont les déclarations qui vous scellent la vie. Oui. Surtout là, les émotions, la femme, l'acte sexuel, le plaisir sexuel mélangé aux émotions, elle libère des paroles. Après, elle s'étonne que dans la vie, elle n'arrive pas à avancer. Tu n'arrives pas à te connecter à un homme. Ah vraiment, je t'aimerai toute ma vie. Hein? Je t'aimerai toute ma vie. Je n'y a aucun homme sur la terre comme toi. Tout ça parce qu'elle est dans un moment d'euphorie, en fait. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas, mais c'est la vérité. Donc, attention. Hein? Attention, il y a des hommes hein, qui font la sorcellerie. Pendant qu'ils ont un rapport sexuel avec une femme, ils prononcent des paroles, oui. Pendant qu'ils sont en train de faire le rapport sexuel, ils prononcent des paroles et ça bloque. Ça bloque la femme. Vous ne savez pas ça? Ah, ok. Vous comprenez?
Donc, les paroles. Ah, vraiment, tu es le meilleur homme du monde. Hein? Vraiment, je ne voudrais pas quelqu'un d'autre comme toi dans la vie. Plus jamais, tu es le seul de ma vie. Vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Tout ça, elle dit ça parce qu'elle est dans un moment de plaisir. Oui. Tout le monde de plaisir. Et tu libères des paroles insensées. Bien bêtes. Pardonne-moi, Seigneur. Paroles bien bêtes. Tout ça à cause du goût. Oui, il faut qu'on vous dise ça. Puisque les gens racontent des choses, il faut qu'on vous dise la vérité. Tu dis un gars, tu es le meilleur. Il n'y a pas un autre homme comme toi sur la terre. Oui, quand tu dis ça, tu scelles dans l'univers. Ça veut dire que tout homme qui va venir dans ta vie, il ne va jamais atteindre le gars-là. Et donc souvent, les pasteurs, quand on prie avec les gens, on est obligé de briser ces choses. Est obligé de se souvenir que brise toute parole que tu avais déjà promis. Hein? Il y a même une femme qui avait fait, je me souviens de l'histoire d'une dame en Côte d'Ivoire, son gars devait venir en Europe et sachant qu'il allait voyager et s'aimait tellement, ils ont fait un pacte de sang. Ils sont coupés les doigts, ils ont mélangé leur sang en proclamant qu'ils n'allaient jamais se séparer dans la vie en fait, que seulement la mort allait les séparer. Ça a tout son sens en fait parce qu'ils s'aiment tellement. Le problème, c'est quoi? C'est que le temps fait des choses et quand la personne quitte d'Afrique, de Côte d'Ivoire pour venir en France, il va dans un autre monde, mon frère. C'est comme si tu vas dans deux galaxies, gars. Hein? Bon, c'est vrai que la Côte d'Ivoire devient de plus en plus parisianisée, mais ça reste quand même ça, quoi. Donc, le gars arrive en France maintenant. Hein? Il arrive en France. Ben écoute, la réalité est là. Il rencontre d'autres filles à Paris, jolies filles. Il rencontre une collègue, une autre fille, et il commence à s'attacher avec la fille. Et il aime la fille, il oublie celle de l'Afrique. Sauf que le jour du mariage, à l'église ou à la mairie, c'est une histoire vraie, il commence à convulser. Il est en train de mourir comme ça, il est en train de convulser. C'est le pasteur qui le suit à l'église qui reçoit la révélation du Seigneur que le gars, si, il y a tel nombre d'années, il avait fait un pacte de sang avec une fille à Abidjan. C'est ça qui est en train de le tuer là. Et comme il a fait le pacte de sang là, en voulant se marier avec quelqu'un d'autre, d'accord? Il est obligé de briser. Vous comprenez ça? Le lien de sang, c'est la mort, mon frère. Le sang parle. Le livre n'est pas encore, il sera dispo au Gabon en décembre. Il n'est pas dispo au Gabon. Je n'ai plus de livre actuellement au Gabon. Oui. Vous comprenez ça? Donc faites attention. Les gens là, j'ai vu dernièrement sur TikTok, un gars et sa copine, ils s'aimaient tellement. Il y a des gars qui font ça. Ils savent que la fille est trop belle. À un moment donné, les gens vont la draguer, la courtiser, les gens vont la prendre en fait. Alors comme il n'a pas d'argent, il ne se sent pas fort pour la retenir, pour lui construire la vie qu'elle veut, il va faire un pacte de sang avec elle pour qu'elle ne soit jamais heureuse ailleurs avec lui. Mais c'est la folie. D'accord? C'est pour ça que l'acte sexuel aussi, c'est aussi le sang, l'acte sexuel. D'accord? Mais vous coupez vos... Attends. Donc faites attention, quoi. Puis ceux qui veulent les livres au Cameroun. Voilà mon contact, WhatsApp. Voilà. Et si vous avez été donc béni par ce message, si vous avez été béni et que vous avez à cœur de semer dans notre ministère, bah écoutez. Voilà le numéro WhatsApp, vous pouvez nous contacter pour une semence, si Dieu vous met ça à cœur, voilà. Maintenant, on a la conférence, le talon tour, le 27. Si tu regardes la conférence, là, pardon, ne viens pas me crier après que coach, je savais. Voilà. Il y a quelque chose qu'on va libérer là, il y a une dimension prophétique que le Seigneur nous a donnée cette année, ça va être fort à la conférence. Il nous annonce déjà ce qui va se passer à la conférence, en fait. Si tu es à Paris, tu es en Ile-de-France, tu es en Europe, si tu peux venir, si Dieu te demande de venir, viens. Moi, je te dis, viens. Ok? Je veux voir tous mes talentueux ici, à la conférence de message. Je veux les voir tous.
Voilà. Talentour Paris sera très chaud. Et après, il y a le Talentour à Douala. Ça va être là-bas, ça va être encore plus chaud. Parce que les gens font vous demander, mais coach, c'est comment, c'est comment, c'est comment? Voilà. C'est une tournée mondiale qu'on commence. Dieu nous a fait grâce. On est passé par ce par quoi on devait passer. On est passé par les étapes qu'il nous a demandé de passer. Maintenant, il nous a surpris. Il nous a dit, écoutez, je vous amène à un autre niveau. Donc, on va faire Paris. Abidjan en Douala en octobre. Abidjan en novembre. Libreville décembre. Martinique en 2023. Philippines. On va commencer par le Togo. Début 2023, on va aller au Togo. Début, je crois, peut-être en janvier ou en février, on sera au Togo. D'accord? Talentour. Les gens m'attendent au Togo et ma femme là-bas. La première fois, il y avait du monde. Les gens nous attendent, quoi. Pour le Bénin, pas encore, parce qu'on n'a pas reçu la date. On reçoit vraiment les dates selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Mais tu peux voyager du Bénin, tu viens. Les gens, quand j'ai fait le meet-up au Togo, j'ai vu les gens qui venaient du Bénin. D'accord? Tu viens au Bénin. Et n'oubliez pas une chose. Je crois que la Bible dit que la présence d'un prophète dans une ville est un signe. D'accord? La présence d'un prophète, moi je dirais la présence d'un prophète, d'un serviteur de Dieu dans une ville, annonce un signe. Et je dirais même encore plus, ça annonce un signe dans ta destinée. Ça fait 2 ans qu'on est au Cameroun. En vérité, je vous dis la vérité, moi je ne voulais pas venir en vacances. Je ne voulais pas en fait. Moi j'aime beaucoup le Cameroun. D'accord? Je ne voulais pas venir en fait. Et Dieu m'a dit, allez-y. Et pendant qu'on est là, il nous a dit, commencez les trucs. Et le 27, c'est tellement symbolique. Pourquoi? Parce que ça va être une date qui sera gravée dans l'histoire, le 27. Pour la destinée. On va faire beaucoup de photos, il y aura des photographes, des vidéos, on va garder les photos, ça sera dans les archives en fait, que la première fois qu'on a fait le Talentour dans le monde entier, c'était à Paris, c'était un moment solennel en fait, et les destinées, les gens vont réussir en fait, ils viendront témoigner plus tard que cette année-là, on était avec le coach William, avec le coach Johanna, d'accord? Donc lorsqu'on vient comme ça, c'est un signe pour la destinée des gens, c'est un signe. Bonjour Gladys. Voilà, donc... Allez dans le descriptif de cette vidéo, il y a le lien pour la conférence Talentour. Venez. Coach, une sœur a deux prétendants. Après avoir pitié, prié, elle a fait un rêve et dans son rêve, elle tient l'un des prétendants dans sa main et l'autre lui fait une demande en mariage. Oui, il faut qu'elle prenne celui qu'elle tient en main, non? La date pour la Martinique, on n'a pas encore la date, d'accord? On va être clair dessus, on va venir, ok? Ne vous inquiétez pas. Côté, est-ce qu'on peut commencer à payer pour Abidjan? Oui, tu peux commencer à payer. Tu me contactes en privé, justement. Faut le faire. Tu me contactes en privé. Contactez-moi sur WhatsApp, en fait. OK? Voilà. Donc, venez à Douala, c'est... On ne vient pas seulement en tant que coach, hein. Voilà. Si tu as remarqué, le prophétique est passé à un autre niveau. C'est pour un but, en fait. C'est pour vous que Dieu fait ça. Dieu nous donne des dons pour vous amener à un autre niveau. OK? Voilà. Voilà. Flora a 17 ans, gourou apprennent à visualiser. Certains gourous apprennent à visualiser et prononcer des paroles pendant l'acte sexuel pour manifester ses désirs. Oui, c'est dangereux. Il y a des hommes comme ça. Quand ils couchent avec des femmes, ils prononcent des paroles bizarres. Mais ça va être fort à Paris. Hein. Déjà, la télé dedans, c'est mon épouse. Il y aura des délivrances. D'accord? Il y a une personne au Talentour qui avait un nœud endommagé. Ma femme est passée dans les escaliers, elle dansait avec ses bannières. Là, elle a touché, elle a senti une décharge électrique sur elle. Et son nœud s'est réparé, en fait. Voilà. Donc, il y aura des choses extraordinaires. OK? Ma reconnaissance, Jésus.
Donc voilà. Portez-vous bien. Je dois vous laisser. Bye bye.